Vous allez bien, ma souris ne marche pas. Ah, c'est bon. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ma souris a quelques bugs et elle ne voulait pas marcher au moment où je devais changer d'écran. J'étais en mode ah, sauvez-moi s'il vous plaît. Comment ça va tout le monde? Merci beaucoup pour tous vos resubs. Merci Nono qui nous a fait péter son T2. Merci beaucoup Nono pour le soutien. Merci Mélanie pour son 18e mois. Merci Moana pour ton Prime. Merci beaucoup Small pour le 18e mois aussi. Et Yélise pour le 23e mois. Merci beaucoup tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Coucou Nokomi, comment ça va? Coucou Martois, coucou Charlize. Ah, mais ma souris elle veut pas. Genre... En fait, si vous voulez, j'ai le chargeur de ma souris qui ne fonctionne plus. Et en fait, elle est vide. Enfin, bref. Enfin, c'est pas qu'elle fonctionne, c'est pas qu'il fonctionne plus. C'est que ça se met mal dans le machin, là. Et du coup, elle est vide en termes de batterie. Et je galère de fou. Coucou Picoliane, comment ça va? Coucou Yuneo, merci beaucoup pour le 10e mois. Je bosse sur les bulletins de mes petits, donc je lurk. Merci beaucoup pour le lurk. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Désolée pour l'abandon de cette semaine. Mais j'ai de grosses excuses, de très très bonnes excuses même d'ailleurs, pour vous avoir abandonné lâchement cette semaine. Ce n'est absolument pas de ma faute. Je vais vous en parler très brièvement, mais vraiment, je suis perdue. Coucou New September, merci beaucoup pour le 24e mois. Et beaucoup, merci pour ton soutien. Et coucou Shelia. Ok, c'est bon. Bon, je vais y arriver avec cette souris cassée là. Et puis tout va bien, hein. Ok, aujourd'hui, on retourne sur Animal Crossing New Leaf, les amis. Alors ça m'inquiète un peu parce que j'ai branché ma 3DS et elle ne s'affiche pas à l'écran. Mais bon, seigneur, je me suis levée que pour le live. Mais comment ça? Bah après 10h, c'est une bonne heure pour se lever, non? Est-ce que ça te met pas en joie de te dire que tu t'es levée tôt et que tu as toute la journée devant toi pour vivre ta journée? Moi j'aime bien en vrai. Hop, autant des fois je râle parce que oh, je suis fatiguée, j'aimerais bien faire une petite grasse mat et tout. Mais en vrai... Après, t'as toute la journée qui t'appartient. Ok, c'est bon, le capture board remarche. Coucou Bonbon, comment ça va? Tu vas faire quoi sur ACNL? On va voir, vous inquiétez pas. On va se remettre aussi un peu dans le bain, parce que la dernière fois, on avait eu notre premier habitant au camping. On ira peut-être se faire un peu de thunes sur l'île. On va essayer de débloquer quelques bâtiments. On va voir ce qu'on fait tranquillement. Liv va mieux. Liv, elle va très très bien. C'est plutôt qu'on galère avec... on galère avec Lana. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, mercredi... Liv, c'est exploser l'arcade sur le coin d'un meuble, enfin sur le coin du meuble TV. En fait, si vous voulez, au moment où j'allais lancer mon live. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas streamé. Elle va très très bien, il y a rien du tout. C'est juste que l'arcade, en fait, c'est quand tu te tapes à l'arcade, en fait, ça saigne de fou d'un seul coup. En fait, c'est très impressionnant, en fait. Et ça lui faisait une espèce de... Ça lui fait un espèce de trait dans les sourcils. Mais bon, on nous a dit que vu que c'est dans les sourcils... Enfin, vu que c'est dans les sourcils et tout, elle devrait pas du tout en garder une cicatrice ou quoi que ce soit. Après, c'était quelque chose de très très net parce qu'elle s'est vraiment tapée... Paf. Ah, ça faisait longtemps. Je me disais aussi qu'aujourd'hui, on était beaucoup trop tranquille pour que ça se passe comme ça. Donc du coup, ouais, elle s'est tapée là, bam, dans le sourcil. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de traces ou quoi que ce soit. Donc écoutez, les aléas de la vie. En même temps, si vous voulez, elle commence à essayer de marcher alors qu'elle a 8 mois. Déjà, elle se met debout depuis ses 6 mois et quelques là. Mais là, depuis quelques jours, elle a décidé qu'elle voulait marcher. Tu sais pas pourquoi, la gamine, elle s'est dit « Vas-y, let's go, viens, on marche hein. !» Donc du coup, elle se met debout comme ça, au milieu du salon, et elle est là en mode « I believe I can fly !» Parce qu'elle elle bouge comme ça dans tous les sens, parce qu'elle essaie de trouver l'équilibre, tu vois. Et puis, paf! Bah oui, forcément. T'as 8 mois. Forcément que ça va pas, c'était sûr. Coucou Pokéwatch, comment ça va? Moi, 14e mois, et elle veut toujours pas. Après, ça dépend des enfants. Lana, je sais qu'elle a marché à 12 mois et quelques jours. Parce qu'on s'est dit, putain, elle aurait pu le faire pour son anniversaire, quoi. Vraiment, c'était quelques jours après son anniversaire. Parce qu'on s'est dit, avec Nexus, putain, elle abuse, quoi. Elle aurait pu le faire le jour de son anniversaire, non? Donc, je crois que c'est 2 ou 3 jours après, un truc comme ça, quoi. 2024, elle a décidé qu'elle voulait marcher maintenant. Exactement. Sa résolution à Liv, c'est, moi, je veux marcher maintenant, tu vois. Elle s'est dit... Hop, hein, tu vois, let's go.
Enfin, elle essaye, mais manque de confiance. Mais après, je sais pas si Liv va faire pareil que Lana. Parce que Lana, pareil, elle s'était mise debout à 9 mois. Donc, un peu après Liv, quand même. Liv est vraiment hors norme. Et par contre, elle avait pris tout son temps pour marcher parce que, justement, elle manquait de confiance. Bref. Donc, elle avait pris un peu son temps, quoi, pour marcher, on va dire. Coucou, ça roule, comment ça va? Donc, elle avait bien mis 3 mois à prendre son équilibre. Hein. Hop, hein. Mais bon, on verra ça, les amis. En tout cas, nous, on se retrouve pour ACNL aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver en stream ce matin. Bon, après, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé quand même pour cette semaine. Bon, déjà, de base, je devais pas restreamer avant mercredi parce que j'avais pris lundi et mardi en jour off pour rester avec ma maman parce que ma maman s'en allait mardi soir. Bref, t'as capté, quoi. Mercredi, les aléas de la vie, Liv s'est dit « I believe I can fly ». Let's go, on y va, on va nager comme ça dans la nature. Elle s'est mangé le meuble, bon c'est les aléas de la vie. Vous m'avez tous redonné envie de jouer à CNL, j'y ai passé des heures dessus. Hier t'as recommencé une partie ou pas du tout? Alizé, merci beaucoup pour ton deuxième mois, comment vas-tu? Merci beaucoup Alizé. Donc du coup, voilà pour mercredi, mais surtout en fait le plus gros des problèmes qu'on a actuellement... c'est qu'en fait, je vous avais parlé lors du live du 1er janvier, là où on avait fait la rétrospective et on avait discuté de plein de choses. Je vous avais discuté, enfin je vous avais dit que cette année, j'essayais de vous faire un planning fixe au niveau des... Enfin, un planning fixe. Un planning avec des horaires un peu plus fixes en termes de live et en termes de... Et en termes de jeu, tu vois. Coucou Elise, comment ça va? Donc, on avait travaillé sur ça avec Nexus pendant les vacances, pendant les 4-5 jours que j'avais pris à Noël, là. Vous voir rejouer à Danser un jeu DS, ça m'a donné envie de relancer une partie de Let's Go to the City. Est-ce qu'un jour, tu y rejoueras? Let's Go to the City, ouais, franchement, c'est fort possible. J'ai bien envie de me lancer le défi de débloquer Sensei. On en avait discuté la dernière fois, et puis voilà. Et j'ai refait décoller le train au level 2, du coup, nice. Merci, Alizé. Et du coup, en fait, si vous voulez, sur ce planning qu'on avait mis en place... il y avait l'intégration, parce que c'était une demande de la communauté, enfin de votre part, quoi. Il y avait une demande pour qu'il y ait un peu plus de soirées en semaine. Parce que le travail, parce que l'école, parce que la vie, quoi, finalement. Et me venger de Shivava, exactement. Donc, on avait instauré deux soirées. On avait instauré deux soirées. Il y avait deux soirées, en fait, et parfois même, en fonction du planning, il y en avait une troisième. Tu vois, pour contenter un petit peu tout le monde. Et ce planning était ok parce que on avait des gros problèmes de sommeil avec Lana juste avant les vacances, tu vois. Mais on avait résolu ce problème. Coucou Amy, coucou Miss Cyclopédie. On avait résolu le problème de sommeil de Lana pendant les 2 semaines de vacances. Et à aucun moment, on s'est dit que la crèche ne nous soutiendrait pas au sein de ce projet, en fait. Donc c'est ça la difficulté qu'on a eue, en fait, si vous voulez, actuellement avec le planning. Demain matin, tu fais toujours un stream cuisine, soit CNH. Je sais pas encore, j'ai pas regardé du tout ce qui a été dit dans le salon planning, etc. J'ai pas regardé, Il faut que je finisse le ménage vite pour me poser sur ACNL. Go, 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 go! Moi, le ménage, c'était hier. Donc en gros, si vous voulez... nous, la solution, en fait, si vous voulez, le problème qu'on avait avec Lana, c'est que Lana est un enfant qui ne se couchait avant les vacances. Pendant un mois avant les vacances, elle ne se couchait pas plus tôt que 22h. Là, t'as tous les parents du chat qui doivent être en mode « Comment ça, comment ça ?» Oui, Lana, 2 ans et demi, impossible de la coucher avant 22h, ok? Elle dormait très régulièrement entre 22 et 23h. Enfin, elle était couchée. Elle était couchée à 20h30, tu vois, mais elle ne dormait pas avant 22h. Ok, t'as capté le truc? Minimum, parfois même 23h. Ok, pour un enfant de 2 ans et demi, c'est giga tard, on va pas se le cacher. C'est pas du tout un rythme pour un enfant. Voilà, donc ça c'était le problème de sommeil qu'on avait avec Lana juste avant les vacances. Et en fait, pendant les vacances de la crèche, pendant les 2 semaines, on s'est dit vas-y, let's go, on se lance, on va tenter quelque chose. Parce que nous, de notre côté, en fait, le fait qu'elle se couche comme ça aussi tard, déjà de 1, c'est pas un rythme pour elle. De 2, c'est pas un rythme pour nous non plus. Parce que le soir, bah, j'aimerais bien soit streamer, soit faire quelques trucs sur mon PC et tout. Et tant que Lana se couchera aussi tard que ça, eh bien malheureusement, ce n'est pas possible, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on avait pris la décision. Écoute,
on va essayer de ne pas la faire dormir. Tu vois, on s'est dit avec Nexus, ok, on arrête la sieste. On arrête la sieste pour voir comment ça se passe. Coucou Roman, comment ça va? Pendant les 2 semaines des vacances scolaires, on a arrêté la sieste de Lana. Donc Lana ne faisait plus la sieste et elle ne la réclamait pas. Hein. Elle ne la réclamait pas le moins du monde. Les soirées se passaient très bien. Elle était fatiguée, mais pas au point de se rouler par terre et de pleurer. Enfin, voilà. On va dire que le rythme sans sieste lui convenait très bien. Et là, miracle, Lana dormait entre 20h et 20h30. Ce qui est, pour tous les parents du chat et même autres personnes, ce qui est un horaire convenable pour un enfant de 2 ans et demi. Voilà. C'est... Ouais, moi j'en ai déjà acheté il y a un petit bout de temps maintenant, mais peut-être que ça n'a pas changé, donc tu peux me demander la petite marrante. Donc Lana se couchait entre 20h et 20h30 et elle se réveillait à 8h30 le matin. Et elle passait des très bonnes nuits, et le matin quand elle se réveillait d'elle-même. On n'était pas obligé de la réveiller. Donc elle se réveillait d'elle-même, elle se réveillait de bonne humeur, elle se réveillait joyeuse, enfin... Vraiment, on a redécouvert pendant ces 2 semaines de vacances scolaires une autre petite fille. Grâce à ce rythme qu'on avait changé, entre guillemets. Attendez, je fermais ma porte. Coucou, nouvelle Annie Dingo, comment ça va? Et du coup, quand elle est retournée à la crèche, elle avait une bonne horloge. Bah, en fait, elle faisait 12 heures de sommeil la nuit. Et le matin, quand elle se levait, déjà, elle se levait d'elle-même, on n'était pas obligé de la réveiller. Elle se levait de bonne humeur, c'était pas un combat pour tout et tout. Tandis que là, quand elle se couchait à 23h, quand elle se levait le matin, elle était fatiguée, elle faisait que pleurer parce que tu la réveillais. Enfin, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout, tu vois. Niveau taille, moi je mets du XL, faut prendre au-dessus ou en dessous. Moi à l'époque, je prenais une taille au-dessus. Après, je regarde les avis, mais ouais, c'est plutôt petit en règle générale. Coucou Mimi, comment ça va? Donc on avait réglé ce problème et là, mardi, Lana est retournée en crèche. Donc Nexus explique à la crèche les problèmes qu'on a eus, le fait qu'elle se couchait beaucoup trop tard, que nous derrière, bah, en fait elle partage sa chambre avec Liv, donc du coup elle réveille sa sœur. En plus elle se réveillait de mauvaise humeur le matin, enfin bref. Que c'était trop compliqué et qu'elle se couchait beaucoup trop tard. 22-23 heures pour un enfant, c'est impossible, c'est incompatible. C'est même pas une question pour nous d'être tranquille, parce que si j'avais voulu être tranquille, j'aurais pas fait d'enfant. Donc c'est même pas une question d'être tranquille, c'est juste que pour elle, se coucher à 22-23 heures quand on a 2 ans et demi, ce n'est pas possible, ok? Et du coup, on a expliqué à la crèche notre problème, ils nous ont dit « oui, oui ». Puis le soir, on revient la chercher, et ils nous disent, comme ça, elle a dormi 2 heures. Et là, on se dit, mais attends, mais ils ont rien compris. Genre, ils ont rien compris. Enfin, on leur a dit le matin que c'était hyper compliqué, que Lana ne dormait plus, que sinon elle se couchait à 23 heures. Et là, le soir, ils t'annoncent, elle a dormi 2 heures. Genre, ok. Coucou Juliette, comment ça va? Ma fille, elle fait ça en petite section dès novembre, à ses 3 ans. Elle dormait bien si elle ne faisait pas la sieste, mais dès qu'elle allait à l'école, elle était obligée de faire la sieste et le soir, c'était la cata. Et comme la maîtresse devait s'occuper des grands pendant les siestes, les petits étaient obligés de dormir. Heureusement qu'après, on a eu le confinement. Ben, on a le même problème, là, Véro, parce qu'en fait, Lana est un enfant de début d'année, donc elle va avoir 3 ans là, soon. Sauf que du coup, elle n'a pas pu rentrer à l'école. Enfin, tu sais, elle va rentrer à l'école à 3 ans et demi, quand d'autres vont avoir 2 ans et demi. Enfin, bref, c'est un peu un espèce de micmac pas cool. Et ce qui fait que Lana n'a plus besoin, enfin n'a pas besoin de dormir plus dans son développement en gros. Donc là on leur réexplique le soir en leur disant mais ce soir pour nous ça va être super compliqué tu vois. Bah ça n'a pas loupé, le soir même Lana se réendort à 22h30, elle reprend l'ancien rythme. Donc moi qui avais créé avec Nexus un planning, en fait j'avais créé un planning en prenant compte que les soirées c'était de nouveau possible. Parce que Lana se couchait à 20h-20h30, tu vois. Donc du coup, les soirées en stream redevenaient possibles. Vous voyez ou pas le... Enfin, vous voyez un petit peu le problème, quoi. Donc là, du coup, mercredi soir, bah, je me dis, bah, je peux même pas rattraper mon stream de la journée le soir parce qu'elle a dormi. Le lendemain matin, du coup, on leur redit que... Bah, je suis vraiment désolée, mais... Enfin... Elle s'est couchée à 22h30, tu vois, on leur dit comme ça, elle s'est couchée à 22h30, c'est vraiment un gros problème, parce qu'en fait, du coup, ce qu'elle fait, enfin, ce que Lana fait, en fait, elle a besoin, j'ai remarqué, elle a besoin de 12h, 12h30 de sommeil.
Tu vois, un truc comme ça. 12h, 12h30 de sommeil, quoi. Elle a besoin. Et en fait, si elle fait ses 8h, 8h, qui est un sommeil, à mon sens, plus réparateur, elle est mieux, elle passe une meilleure journée que quand elle fait 23h, 8h, donc du coup 9h, plus 2h de sieste. Je la trouve mieux quand elle fait des vraies nuits. Coucou Aligelle, hein. Et donc là, on leur réexplique que du coup, bah ça y est, elle est retournée dans le, elle est retournée dans le rythme où elle va se coucher à 22h30. Enfin, elle va se coucher à 20h30, mais elle s'endort à 22h30, tu vois. Parce que nous, on ne change pas le rituel du soir. Même si elle a dormi, enfin, même si elle s'est couchée plus tard, on ne change jamais le rituel du soir, sinon c'est une cata. Donc voilà, quoi. Et ils nous disent, on la forcera pas à dormir. Donc là, on se dit, bon, ok, vas-y, c'est bon. Hier, juste la dame à qui je m'étais adressée n'avait pas compris, tu vois. Et là, je vais chercher ma fille le soir et on me dit, elle a dormi 3h30. Lana s'est couchée à minuit. On en parle ou pas? Et en fait, j'y suis retournée du coup le lendemain matin. Enfin, le lendemain soir, parce que c'est Nexus qui l'a déposé le matin. Coucou MS, hein. Et là, je leur redis, je suis vraiment désolée, mais c'est pas possible. Je leur réexplique, je leur redis qu'elle s'est couchée à 23h30 minuit. Que en fait, du coup, plus elle dort à la crèche, plus elle rattrape à la sieste de la crèche. Mais nous, elle s'endort tard. Enfin, c'est un rythme. C'est un puits sans fond. Et en fait, jeudi, je devais relive du soir. Hier, je devais relive du soir. Et en fait, j'ai pu live aucun soir parce que Lana était avec nous. Enfin, elle faisait des allers-retours, etc. Ouais, en fait, c'est un cercle vicieux. Du coup, je me suis un petit peu, pas fâchée, mais en disant, ouais, nous, c'est vraiment pas possible. Elle s'est couchée à 23h30. C'est hors de question. On peut pas retourner dans ce rythme-là. Et là, on m'a dit, comme ça... Oui, mais nous, c'est pas notre projet. J'ai travaillé en crèche, donc je sais totalement de quoi il parle. Nous, c'est pas notre projet éducatif. Les enfants sont couchés. Après, elle s'endort. Bah, en même temps, c'est normal qu'elle s'endorme. Je lui dis, elle reste combien de temps dans son lit? Elle me dit 45 minutes. Bah oui, forcément qu'elle s'endort. Qui ne s'endormirait pas en regardant pendant 45 minutes son plafond, sans téléphone, sans rien, sans musique, sans écouteurs, etc. Oui, forcément qu'elle s'endort. Hein. Donc du coup, on me dit, c'est pas notre projet éducatif, un enfant qui doit dormir, bah dormira, on ne les réveille pas, et si c'est compliqué le soir, on me dit, il faudrait peut-être que vous revoyiez un petit peu votre rituel, peut-être que le rituel n'est plus adapté. Mais mon rituel de sommeil, il est totalement normal, enfin, c'est un rituel hyper basique, coucou Nonor, coucou Garance, coucou Candide, comment ça va tout le monde? Enfin, si vous voulez savoir un petit peu le rituel du soir de Lana, c'est... on mange vers 19h15, 19h30, donc à 19h45, on a fini. On a un petit quart d'heure où on joue avec des trucs calmes, on fait des jeux de société, etc. etc. Après, vers 20h, 20h10, tout le monde reprend un biberon, parce que les filles adorent avoir un biberon à cette heure-là. Et ensuite, c'est le moment où on éteint tout ce qui est les informations, enfin on éteint la télé, on éteint tout ce qui est les machins, les bidules, les lumières, on met une ambiance tamisée et on fait des histoires pendant une petite demi-heure. Parce que Lana adore les histoires. Ça peut être histoire, ombre chinoise, kamishibai, enfin bref. Tout ce genre de trucs, quoi. Et on fait ça pour une petite demi-heure. Après, on va se laver les dents et on va au lit, quoi. Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas dans mon rituel de sommeil. Enfin, le rituel est incroyable. Ben, en fait, je ne vois pas qu'est-ce que je peux améliorer là-dedans, en fait. Tout en sachant que je la couche à 20h30. Je la couche pas à 19h30, tu vois. Enfin, je n'ai la possibilité de rien changer. Et pour avoir travaillé en crèche moi-même, je sais que quand... les enfants ont tous des besoins et des rythmes différents. Et... moi, personnellement, en tant que professionnelle de petite enfance, j'écoutais les parents quand ils me disaient ça. Parce que oui, ça arrive qu'il y ait des enfants qui aient des besoins de sommeil différents que les autres. Et oui, il y a des enfants qui n'ont pas besoin de faire la sieste même à 2 ans et demi, parce que Lana est un enfant qui se lève tard. On a l'opportunité et la chance incroyable de ne pas la lever à 6h30, 7h du matin pour aller au travail. J'ai la chance d'être à domicile et du coup de pouvoir l'accompagner à 9h pour qu'elle se lève plus tard entre 8h et 8h30. Donc oui, Lana est un enfant qui dort bien la nuit et qui se lève tard. Et la sieste, c'est de trop pour elle, en fait.
Enfin voilà, c'est marrant parce que je fais des études d'éducatrice de jeunes enfants et c'est un sujet dont on a parlé cette semaine en analyse de pratique. La crèche devrait quand même un minimum écouter ce que vous avez à dire en tant que parent. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'ils... Oh. Et on leur explique le problème. On leur explique le problème et même pas, tu sais, ils essaieraient de la réveiller au bout d'une heure, une heure et demie, tu vois. Enfin... Et en fait, de ce que j'ai compris de l'organisation, c'est que le midi, dans les salles, il n'y a personne pour accompagner les enfants à faire des jeux. Et du coup, en fait, si j'ai bien compris, enfin, je pense que le principal problème, c'est ça, en fait. C'est... Le principal problème, c'est qu'ils n'ont pas de professionnels qui restent avec les enfants le midi. Et que du coup, forcément, ça pose un souci de garder l'Anna dans la salle, en fait. Ça les arrange de penser que c'est les parents qui doivent faire autrement. Mais en fait, le pire, c'est que quand on leur parle, coucou, tété. Quand on leur parle, en fait, c'est... J'ai ressenti, en fait, le jugement que certaines professionnelles de crèche peuvent émettre lorsque moi-même j'y travaillais, hein. J'ai senti, en fait, qu'ils ont l'impression que c'est nous qui voulons nous débarrasser de l'Anna. Or, comme je l'ai dit au début du stream, si je voulais être tranquille, je n'aurais pas fait d'enfant. Vous voyez le truc un peu ou pas? Et en fait, je ressens dans le ton qu'ils emploient, dans... Voilà. Que en gros, c'est nous qui voulons, enfin qui voulons qu'elle se couche tôt pour être tranquille. Or non, je ne veux pas être tranquille. La chose que je vais faire, c'est streamer. La chose que je vais faire, c'est faire des vidéos. Je vais travailler, madame. Hein? Ce n'est même pas pour poser mon gros cul dans mon canapé. C'est même pas pour ça. Ils veulent juste pas se faire chier, c'est tout, c'est inadmissible, ils sont payés pour s'occuper des enfants et pas pour être tranquille à rien faire. Mais je sais même pas si c'est ça ou pas, mais... Enfin... C'est... Je sais pas, enfin... Et en fait, ce problème-là, c'est un truc de fou, comment? Tu sais, genre juste cette toute petite... Genre juste cette toute petite goutte d'eau dans notre organisation a foutu un bordel monstre. C'est un truc de dingue. Alors qu'en soi... C'est juste une toute petite goutte d'eau. Le fait que Lana ne fasse pas la sieste. Vous voyez le truc ou pas? C'est totalement con. Mais du coup, à cause de ce tout petit problème, eh bien, Nexus arrive en retard au travail le matin. Il s'est déjà pris un avertissement. Je leur ai dit ça aussi, que Nexus s'était déjà pris un avertissement. Parce que du coup, Lana ne se lève pas. Elle est de mauvaise humeur. Elle veut pas boire son biberon. Elle criait, elle machin, donc du coup c'est tout un combat, vu qu'elle a pas assez dormi. Donc du coup, bah, il essaye de faire ce qu'il peut, mais il arrive forcément en retard. Je leur ai expliqué tout ça, ils en ont rien à carrer. C'est un truc de fou. Les miens ne dormaient pas en crèche ou très peu, genre une heure à cause de RGE et colique. La crèche me faisait comprendre que ça les arrangeait pas. Tu m'étonnes qu'elles ont besoin d'être tranquilles, hein. Mais le pire, c'est que moi-même, j'ai travaillé en crèche et je faisais pas ça en fait. C'est ça que je ne comprends pas. J'ai travaillé en crèche moi-même. Jamais j'ai couché un enfant dont les parents m'ont dit qu'il ne dormait plus à la maison, en fait. Jamais ça ne m'est venu à l'esprit. C'est ça que je comprends d'autant... Enfin, d'autant plus... pas. Quand tu fais partie du métier, tu vois, t'es encore plus frustré par ce qui se passe, tu vois. Ma sœur s'était battue pour que ma grande nièce ne fasse plus la sieste à l'école. Et pour que ce soit le cas, il a fallu qu'elle la récupère tous les après-midi. Je crois que c'est plus autorisé, ça, maintenant. Coucou, Liroka! À ta place, je lâcherai pas, je me fâcherai tous les jours. Coucou Frézy, coucou Tsukin. Mais après, tu sais, c'est pas une, enfin, c'est pas une situation qui nous réjouit, vous voyez ou pas ce que je veux dire. Enfin, en fait, j'ai pas envie d'en arriver. J'ai pas envie d'en arriver au point, parce que jusqu'à présent, on leur expliquait le problème, on mettait des mots. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? On expliquait machin. Là, vous voyez, elle va se recoucher à 22h, ça va être compliqué, etc. Nous, après, machin bidule, j'ai expliqué tous les rebondissements professionnels que ça avait pu avoir. Enfin, je suis restée genre hyper cordiale dans tout ce que je disais. Coucou Léo, coucou Artistica. J'ai pas le son, mais je vous souhaite de passer un bonjour. De la souhaite, coucou. Et en fait, j'ai pas envie d'en arriver au point, parce que l'équipe, je m'entends super bien avec l'équipe de la crèche. Et en plus de ça, bah, on a repostulé pour une place en crèche pour Liv. Et ils m'ont proposé dès avril de la prendre une journée par semaine, tu vois. Enfin, voilà quoi. Et en plus, il n'y a qu'une seule crèche dans notre patelin. Donc en fait, j'ai vu,
J'ai vu qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit pourquoi pas la changer, etc. Mais on peut même pas faire ça parce qu'en fait, il y en a qu'une seule. Bref, c'est une grosse galère. Et puis en plus, jusqu'à présent, il n'y avait aucun problème avec les professionnels. On s'entend super bien avec elle et tout. Enfin, le travail a toujours été nickel. Mais là, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on n'arrive pas à comprendre comme pourquoi le fait qu'elle ne dorme pas soit un si gros problème, en fait. Genre, vraiment, c'est... En fait, on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est un aussi gros problème. C'est... Pour avoir travaillé en crèche moi-même, bien évidemment, tu vois. Les crèches, les écoles, tout ce système a du mal à faire accepter le cas par cas pour chaque enfant. Et je t'ai déjà dit bonjour, Léo, si c'est encore autorisé, je bosse en école. Si c'est encore autorisé, je bosse en école maternelle en alternance, et certains petits ne viennent pas l'après-midi. Ah, alors c'est pas ça, Lisa. J'avais entendu un truc comme quoi il y avait un truc qui était plus autorisé, mais ça doit pas être ça, du coup. Il y en a pas beaucoup avec ta mentalité, il y avait de la maltraitance... Avec ta mal... Avec ton... Oula, attends. Il n'y en a pas beaucoup avec ta mentalité, il y avait de la maltraitance douce, c'est une d'entre elles qui me l'a dit quand je suis partie. Oula, EMS, ton histoire, là. C'est normal que les pros aient besoin d'une pause le midi. Ouais, bien sûr, ça, c'est sûr, on peut pas le dire au contraire. Il faut qu'elles mangent aussi. Mais, en fait, là, actuellement, elles ont comment dire... Elles ont une organisation où, en fait, t'as qu'une seule professionnelle qui reste dans le dortoir et, en fait, t'as personne qui reste dans le lieu de vie. Donc, je pense que c'est ça qui pose problème. Il est dommage que l'organisation de la crèche passe avant le bien-être des enfants, quand même. Mais c'est surtout que, enfin... Pour, encore une fois de plus, avoir été professionnelle de crèche, moi, quand on me dit le soir, quand je viens chercher ma fille, et qu'on me dit qu'elle est restée 45 minutes dans son lit à regarder le plafond avant de s'endormir, bah, je suis désolée, mais oui, ça me choque, en fait. Enfin, jamais de ma vie, je n'aurais fait ça à un enfant que j'avais en charge lorsque j'étais professionnelle de la petite enfance. Jamais je n'aurais fait ça. C'est... Vous vous rendez compte à quel point c'est long, 45 minutes, à regarder le plafond dans le noir complet? Bon, pas le noir complet parce qu'ils n'ont pas le droit, mais tu vois, dans le noir quand même, avec pas de musique, rien du tout. Mais Inéris, merci beaucoup pour le 6e mois, bienvenue. Et coucou Ina, comment ça va? Enfin, c'est vrai que je suis un peu en mode waouh. Enfin, moi-même, ça me serait jamais venu à l'esprit de faire ça. Enfin voilà. Donc en gros, c'est le problème. En gros, tout ça, toute cette péripétie là de la crèche, pour vous expliquer que en fait, tant que malheureusement la crèche ne suivra pas le rythme, que Lana ne fasse pas la sieste et que du coup nous, elle retrouve un rythme normal à se coucher entre 20h et 20h30, tant que ce cas-là, ce sera ainsi... Coucou Alexander, comment ça va? Tant que ce sera ainsi, en fait, je ne peux pas... je ne peux pas reprendre les streams du soir, en fait. Tant que Lana continuera à se coucher entre 22h et 23h, je ne peux pas reprendre les streams du soir. Et c'est vraiment dommage, parce que notre organisation, elle était tissée. Toute l'organisation, elle était tissée. On avait réussi pendant les vacances à trouver un rythme qui convenait à tout le monde. Tout le monde était de bonne humeur, tout le monde était joyeux, Lana elle était mieux, etc. Et c'est vraiment dommage. Et comme je disais, j'ai pas envie d'en arriver au point de dire à la crèche de façon sec, parce qu'on s'entend super bien avec elle et qu'elles vont peut-être avoir leave dans les mois à venir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de leur dire non, je ne veux plus que ma fille dorme. Tu vois? En fait, j'aurais aimé que ça se fasse dans un échange naturel où ils comprennent le problème que l'on rencontre, qu'on essaye de trouver des solutions ensemble sur comment faire. Je ne suis pas contre le fait qu'elle dorme, mais par contre, de là à me dire qu'elle a dormi 2h à 3h le soir, je pense qu'il y a quand même un bouchon qu'il ne faut pas pousser. Voilà. Donc, je suis prête à trouver des solutions, même si c'est faire une heure et demie de sieste, etc. Dialoguer avec elle, mais en fait, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Hein. C'est surtout que Lana, c'est certainement pas le seul enfant à être dans ce cas-là. C'est ça qui me choque le plus. C'est la plus grande, donc je pense que si, malheureusement. Et pareil, tu vois, j'ai pas envie de prendre rendez-vous avec la directrice parce que, en fait, je sais que ça va installer un malaise au sein de l'équipe parce qu'elles vont savoir que j'ai pris rendez-vous avec la directrice pour ce sujet-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En crèche, ça communique, tout le monde dit les choses, tu vois. Et j'ai pas du tout, enfin, j'ai vraiment pas envie de mettre un malaise avec cette équipe parce que jusqu'à présent, on n'avait pas eu de problème, quoi.
et j'ai pas envie qu'il y ait quoi que ce soit. Coucou Elia. Moi, à l'école maternelle, c'était très compliqué les siestes, déjà parce que je n'étais pas fatiguée et ensuite parce que j'avais besoin du noir total pour dormir, sauf cas extrême. Bah ouais, bah Liv est pareil, notamment. Coucou Pandy, comment ça va? D'ailleurs, Liv, je sais pas comment ils vont faire pour la faire dormir, parce que Liv, c'est noir complet ou rien du tout. Hein. On a déjà essayé tous les stratagèmes, on n'y arrive pas. Chacun ses problèmes. À vous de gérer. Voilà. Mais bon, je vous tiendrai au courant. Là, pour vous dire, je sais que demain, je vais faire le planning parce que là, on reprend, tu vois. On reprend une activité bien et tout, tu vois, etc. C'est déjà une angoisse de ma part de faire le planning demain parce que je ne sais pas comment je vais faire pour placer les streams certains jours, étant donné que j'ai besoin, en fait, des soirées le lundi soir et le jeudi soir, en fait, minimum, tu vois. Et que je sais pertinemment que Lana aura dormi et que ça va pas aller, enfin, organisationnellement, ça va pas le faire. Si on va y aller, justement, Ina, j'ai l'impression que dans les crèches et tout l'univers scolaire, les parents ont toujours tort. Mais c'est ça, en plus, c'est que quand on leur parle, Tao, j'ai vraiment l'impression qu'elles pensent qu'on fait ça pour être tranquille, alors que non, enfin, non. Coucou Takumi, comment ça va? Merci beaucoup pour le follow. Franchement, mais rien à voir, c'est... Déjà, en premier plan, comme je vous ai répété maintes et maintes fois, Lana est mieux quand elle fait ses 12 heures de sommeil la nuit. Et bien sûr, après, nous, ça nous apporte l'opportunité, notamment pour moi-même, de pouvoir vous retrouver en stream le soir, de pouvoir faire des vidéos, de pouvoir débloquer du temps que je ne peux pas débloquer la journée parce que je garde Liv à plein temps avec moi. Coucou Elinora, merci beaucoup pour le 11e mois. Donc, c'est même pas une question d'être tranquille parce que Je ne vais même pas me poser dans mon canapé sur ce temps-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est... Et ça nous permet juste, même pour Nexus, Nexus, elle lui permet juste d'être à l'heure au travail le matin. Mais non, elles n'arrivent pas à le comprendre. Donc je vous tiendrai au courant pour le planning de cette semaine. Et j'espère que dans la semaine, j'espère qu'elles nous écouteront et qu'on arrivera à trouver un compromis. Parce que malheureusement, ben, la situation ne peut pas rester comme ça en fait. La situation ne peut pas rester comme ça. Elle est bien trop compliquée. Ça bloque sur beaucoup trop de points. Et les matinées avec Lana sont beaucoup trop compliquées. Elle fait que pleurer. Et comment vous dire que habiller un enfant qui pleure ou quoi que ce soit, c'est très fort désagréable. Hein, voilà, voilà. Bon, les amis, on va aller sur ACNL ou quoi, là? Attendez, j'ai pas d'eau, j'ai pas pris à boire. Je vais chercher à boire et on va sur Animal Crossing New Leaf. J'arrive dans 2 secondes. Non mais les gars, j'arrive là-bas dans mon salon, tu sais pas, il me dit quoi le Nexus? Le Nexus, il me dit, ouais super ces streamers qui laissent le siège vide, hein. Oui? Et alors? Ça va, 2 secondes? Je reviens, j'en avais pas pour longtemps. Coucou Lolo, comment ça va? Alors attendez, on va allumer le son du jeu, vous êtes prêts? Regardez qui c'est qu'on retrouve aujourd'hui! Nonos! Le plus beau des beaux des beaux, Nonos, les amis. Nonos, notre meilleur ami. L'ami de notre vie. D'ailleurs, je sais pas si mon TikTok est sorti. Le pigeon! Nonos, le pigeon, finalement. Attendez, est-ce qu'il est sorti, mon TikTok, ou pas? Alors, le son de TikTok, je m'y attendais pas du tout, finalement. Notre victime préférée. Arrêtez, l'appelez pas comme ça. Il attend déjà devant Chéri Jet. Le pauvre Nonos. Attendez, il est sorti le TikTok ou pas? Ouais, il est sorti. Attends, non. Si. Si, le TikTok est sorti. Le TikTok où Nonos, il me dit comme ça... Attendez, je vous le mets dans le chat. Voilà.
Voilà, le TikTok où on fait dire grognasse à Nonos. Franchement, il est légendaire. Alors attendez, Twitch, vous êtes ici. Bam. Et on va avoir un nouvel... Oh, on a la supérette, hein. Oh cool, on va avoir plus de meubles et tout. Coucou, Koopa, comment ça va? Alors attendez, je vous le mets dans le chat. Comme ça, en même temps, ça vous remet mon compte TikTok. Coucou, Koopa, comment ça va? Mais je t'ai déjà dit bonjour, je viens de te dire bonjour, non? Je sais plus. Trou de mémoire, la dame. Voilà. Le TikTok qui est juste ici, les amis. Bam. Bah, vous savez quoi, d'ailleurs? On va allumer TikTok. Voilà. Hop. Est-ce que ce serait pas l'occasion? Ça vient de m'y faire penser, du coup, tu sais. Ah, attends, il faut allumer TikTok. Ça vient de cogiter en même temps. Let's go. Coucou Force, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Coucou Jayden, hein. Tu vas enfin pouvoir... Attends, j'ai pas pu voir le message. Avoir le mégaphone, non? Oh, tu crois? Non. Oh, attendez, mais il y a des nouvelles... Ah non, c'est pas des nouvelles fleurs. J'allais dire il y a des nouvelles fleurs, mais en fait, non. Pourquoi c'est déjà le bordel comme ça chez moi, là? Regarde-moi ça. Pourquoi c'est le bazar? D'ailleurs, on se souviendra tous de... Putain, non, 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 non. Putain, mais quand je me suis installée dans ce village... Quand je me suis installée dans ce village, j'ai fait exprès de poser ma maison là, entre deux lacs. Tu vois, bam, lac à gauche, lac à droite. J'ai fait exprès de me mettre ici. Il n'y avait personne autour de chez moi, ok? Et là, ils encerclent ma maison. T'as lui qui s'est installé là? T'as lui qui s'est installé là? Et puis maintenant, t'as qui? Et maintenant, t'as lui qui s'est installé là en face. Apaise ton âme. Non, j'apaise pas mon âme. Ça suffit! Dégagez de là! Putain! Et en plus, dans tous ces habitants, il y a lui! Lui! Je me tape Elvis Presley devant chez moi, les gars! Regarde-moi ça! C'est lui qui habite sur la gauche! Hein. Je t'aime trop! C'est qui, celui qui s'est installé devant chez moi? C'est qui? Respire, madame! Ça va aller! Non, ça va pas aller! Putain! Putain, mais t'as jamais! Mais oui! C'est qui? La prédiction, elle est finie? Non, attendez, on attend. On respire. La musique du jeu est pas un peu forte? Ouais, si, je vais la baisser. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Moi, je sais pas, hein. La prédiction est finie. Ah, ça va. Je suis contente. Putain, mais Cachou, tu t'es mis devant chez moi! Cachou, elle s'est mise en plein sur mon chemin. Du coup, elle va devoir dégager. Bon, ça va. J'accepte. J'accepte. Mais ça me saoule quand même. Ça me saoule. Ok. Bref, respirons. Bon, attendez, c'est quoi les hybrides qu'on a eu aujourd'hui? Ok, on a eu ceci. On a eu une hybride lisse. On va la mettre... Putain, mais regardez, ici, il y avait mon champ de fleurs, là. Ah, mais oui, Cachou, c'est celle que j'ai pris au camping, en fait, quand on y réfléchit bien. Ah... Excusez-moi, ça... Ça monte. Excusez-moi, ça monte. Hop. On va mettre les fleurs ici. Hop, on plante. Elle est bien, mais elle est mal placée, quoi. Bah oui, non, mais personne lui avait dit de s'installer là, quoi. Puis regarde, même mon champ de fleurs. Mon champ de fleurs, je n'ai pas de place. Comment fais-je? Coucou Eclipse. Il faudrait que je casse tout ça, en fait. Vous savez quoi? Venez, on va faire les boutiques. À tout moment, il y aura une hache, il y aura un mégaphone, il y aura des trucs, et puis voilà. Coucou Théo, comment ça va? Et comment ça va, Lulupa? Moi, ça va, bing. Hop. Mon enfance, ce jeu. Mais oui, notre enfance, ça. Animal Crossing New Leaf, si c'est pas incroyable. Regardez-moi cette supérette. Mon champ de fleurs, il est énorme un peu. Non, en vrai, il y a quelques trucs, Lolo. Il n'y a pas grand-chose dans mon champ de fleurs. Hein. Je viens à peine de commencer à m'installer. Alors, ici, on a un lance-pierre, déjà. Lance-pierre. Belle chose. C'est la version DS. J'ai essayé d'y jouer une fois, mais j'ai rien compris. Je préférais jouer à Hello Kitty.
La version DS, c'est Will World, non? C'est le sub-goal qu'on doit faire cette semaine, d'ailleurs, soit dit en passant. Que je devais faire, d'ailleurs, jeudi soir. Coucou Varage, comment ça va? Oh, attendez, il n'y a pas un truc avec la borne rouge là-bas au fond? Il me semble. Les améliorations de boutique, vraiment l'une des plus grosses pertes dans le jeu. Je suis totalement d'accord avec toi, sache-le quand même. Hein. Le lampion, je vais pas le vendre, j'aime bien. En vrai, tout ce qui est les objets, je vais pas les vendre. Parce qu'on sait jamais, ça peut toujours être utile. Donc on ne jette pas ce genre de choses. Hop, l'argent. Hop. On va récupérer le lance-pierre. Il n'y a pas de mégaphone, je suis triste. Oh, regardez la petite coiffeuse minimaliste là. Coucou Tristan. Moi j'achète. Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter le ring de boxe qui est derrière moi là? Je suis pas sûre. Vas-y, ça aussi, j'achète. Hop. Voilà. Moi, j'ai eu mes 3 premiers habitants que je voulais en 22 tickets. Faudra qu'on commence les chasses aussi de notre nouvelle île sur ACNH. Je sais pas si je fais ACNH ou de la cuisine demain matin. J'ai pas encore tout à fait réfléchi, vu que j'ai pas fait de planning pour cette semaine. Et après, voilà, on reprend la semaine pro bien comme il faut, quoi. Non, c'est bon, je gère. Ne m'explique pas. Comment ça, j'avais 15 000 sous et... Attends. La borne! Oh non, je veux pas sortir! Dans mes souvenirs, il y a un truc avec la borne rouge, mais je sais plus ce que c'est. Non, c'est pas dans ce jeu-là qu'on a une carte de fidélité. C'est dans Let's Go to the City qu'on a une carte de fidélité. Je sais plus. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. C'est dans quel jeu? Oui, c'est dans Let's Go to the City qu'on a une carte de fidélité. Hop, hein. Donc là, la borne, elle sert à quoi dans cet opus-là, déjà? Bienvenue dans le catalogue. Ah bah oui, c'est le catalogue. Ça paraît tellement logique maintenant que je lui ai parlé. Dans Animal Crossing Wild World aussi, il y a la carte. Ah bon, dans Wild World, il y a la carte de fidélité? Bon, est-ce qu'il a une hache, lui? Donne-moi une hache. Dépêche-toi. Maintenant que ta racine, tu peux obtenir la hache en or, c'est le plus simple à avoir. Putain, il n'y a pas de hache. Comment on a la hache en or, Koma? T'as l'air de t'y connaître. T'as l'air d'être quelqu'un de bien dans ta vie. Dis-nous, comment on a la hache en or? Merci pour vos suivis, ceux qui arrivent sur TikTok. Dis-moi comment on a la hache en or. Il me la faut. Tiens, on va se refaire une petite beauté ici. Ah, j'ai toujours pas le salon de coiffure d'ailleurs. Ouais, enfin 3DS, c'était avant quoi. De toute façon, j'y jouais pas. Pourtant, ACNL, selon moi, c'est vraiment le meilleur opus de Animal Crossing. Il faut acheter plein de pousses d'arbres. C'est tout? Oh, regarde la petite robe trop mémie là. Oh, je veux... Attends, une robe salopette. Attendez, venez, on va acheter des arbres après. Hop. Sans hache, c'est dans ACNH, Flochon. Dans ACNL, en effet, je crois que c'est acheter des haches. Ah oui, Cousette, attendez, faut que je lui parle. Coucou Yasmine, merci beaucoup pour le follow. C'était une de mes préfs. Ah, mais cette robe, elle est incroyable. Vraiment, je suis désolée. Hop, Cousette. Layette, pourrais-tu t'occuper de la dame, s'il te plaît? Comment ça, la dame? La dame, ça suffit au bout d'un moment. Merci beaucoup pour le follow Yasmine et Moumou. Bienvenue parmi nous. Ici, on a quoi? On a un vieux casque de pompier. On a des lunettes. Oh là là. La pelle en or, c'est acheter 50 engrais. Vas-y, tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, on achète les arbrisseaux et les engrais. Ok? On achète. C'est parti. Comme ça, on aura notre hache, on aura notre pelle, on aura tout ce qu'il faut. Par contre, est-ce que j'ai de la place dans mon inventaire? Ouais, c'est bon. Hop. Par contre, l'engrais, il s'achète où? Le béret gland, là. Ouais, le béret gland, il est pas pour moi, par contre. C'est pas possible. Des DV, on va reprendre cette semaine, Alizé. Ça fait tellement longtemps que je me souvenais plus. Ouais, moi aussi, je confonds entre ACNL, ACNH, Wild World, Let's Go to the City. Tu sais, des fois, t'es un peu en mode « Eh !» C'est quel opus qu'il faut faire quoi, finalement? Ok, bah alors, ça doit être ici, les engrais, mais c'est peut-être quand on a les galeries, en effet, Shelia. T'as raison, l'engrais, c'est dans les galeries. Ok, donc c'est pas maintenant. Donc déjà, dans un premier temps, on va juste récolter les pousses d'arbres et puis ça suffira bien. Par contre, ça va me faire chier cette histoire de...
De H, là, qu'il me faut. Coucou la nouille, merci beaucoup pour le follow et merci Margot pour le resub. Merci beaucoup pour le 30e mois. Merci. Ah, ok, le capture board qui nous a. Ah. Il va faire tout noir. C'est bon. Ok. Tu sens que le matériel, il est pas. Voilà, il fait un peu comme il peut aussi, hein. Attendez, parce que. J'avais pas posé des affaires à droite à gauche, là. Si, j'avais posé des affaires devant le camping. Attends, viens, on va récupérer. Hop, on va poser ça là. Coucou Kira, t'aurais des conseils pour moi dans Animal Crossing? Ouais, ça dépend sur quel sujet un peu précis t'aurais besoin de conseils ou je sais pas quoi. Dis-moi, il est plutôt jeune. Ouais, le matériel est plutôt jeune, exactement. C'est... En même temps, le capture board, il a quoi? Il a combien d'années, là? On va pas calculer, hein. J'étais en train de faire le calcul dans ma tête, je me suis dit... Voilà. Je crois que le capture board, il a bien 7-8 ans, quoi. 7 ans? Un truc comme ça? Je l'ai eu en 2016. Donc il a... il va fêter ses 8 ans. Bon. Le capture board, il est un peu en mode... Faudrait peut-être changer, quoi. Bon. Pour l'arrosoir en argent, il faut acheter des sachets de fleurs chez Racine. Ah ouais... C'est vrai qu'il y a les objets en argent dans cette... Bah oui. Bah oui. Ça fait beaucoup d'objets à obtenir là d'un seul coup. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de trucs à obtenir d'un seul coup. Hein. On va voir. On a beaucoup de choses à faire les amis. Il est déjà 11h, j'ai beaucoup trop parlé. Et on a beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup trop de choses à faire. Déjà, on va taper dans nos pierres. Hop, il faut acheter 50 sachets chez Racine pour avoir l'arrosoir en argent. T'as acheté Animal Crossing New Horizons, Yasmine, avec un superbe accent anglais que tout le monde adore. Hein. Hop, hein. On va ramasser nos petits fossiles aussi. C'était quoi cette borne communale? La borne communale, elle est arrivée avec la mise à jour de 2016 des caravaneries user. Et en gros, de gros, elle te permet d'obtenir des tickets que tu vas réutiliser pour acheter des meubles à la caravanerie, en gros. En vrai, dans ACNH, le meilleur conseil, c'est de ne pas vendre de ne pas vendre, comment dire, tous les matériaux et tout, en vrai. Et d'avancer à ton rythme. ACNH, c'est un jeu qui est vraiment sur la longévité. Oh, Runar! Est-ce qu'ils sont là, mes professionnels? Hop, les haches se cachent déjà dans la CNL. Non, les objets qui se cachent, qui se cassent, je vais y arriver, sont exclusifs à la version ACNH. Je te regardais, j'avais 12 ans et aujourd'hui je suis en première année de médecine. Coucou. Qu'est-ce qu'elle... Mais attends, mais j'arrive pas à lui parler. J'essaye de l'embrocher avec ma pelle. Hé, t'aurais besoin d'une table pique-nique? Bah écoute, c'est gratuit. Moi je prends, hein. C'est bien évidemment gratuit. Bah écoute, si c'est gratuit, bon... C'est Animal Crossing New Leaf, Nona. Si c'est gratuit, on va pas dire non, quoi. Tout ce qui est gratuit est à moi. Par contre, ouais, les haches, elles se cassent. Ah, oui, j'avoue, ouais, oui, c'est vrai que dans cet opus, il y a que les haches qui se cassent. Il y a pas, oui. J'ai mal compris la question. Donc oui, dans cet opus, tu as les haches qui se cassent, mais pas les autres objets. En effet, j'ai pas... Enfin, c'est pas que j'ai pas compris la question, c'est juste que je l'ai mal... Par contre, la hache en or, elle se casse pas, en effet, dans ce jeu. Oui, c'est mal compris la question. Voilà. New Leaf, c'est sur 3DS. La gratuité, c'est bien exactement la gratuité. C'est toute une histoire, la gratuité. C'est incroyable. Coucou, pizza, chèvre, miel, Fluffy le rat, bien sûr. On n'a pas encore été sur l'île. Je dis non. En même temps, je sais même pas si je peux aller sur l'île. Est-ce qu'on m'a dit que l'autre, là, la grognasse de l'île, comment il s'appelle déjà? Tortimer. Tortimer, est-ce qu'on m'a dit qu'il était là en train de m'attendre sur le ponton ou pas? J'ai pas fait attention. Hop. Hein. La grognasse de l'île. J'ai dit la grognasse de l'île. Mon dieu. Je viens de voir l'extension Melimelo, laquelle la hache en argent, il faut que tu tombes dessus sur l'île.
La hache en argent, faut que tu tombes dessus. Oui, sur l'île multijoueur. Ouais, je m'en souviens, la hache en argent. Quoi de neuf, ma grande? C'est toi, raconte-moi ta vie. Je viens d'avoir une super idée. Et si on allait s'entraîner chez toi? Et en plus, tu rougis. Tu veux qu'on s'entraîne à quoi, là? J'avoue, j'ai surtout envie de découvrir l'endroit où tu vis. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Non, j'ai mal au nez. Vas-y, Théo, viens chez moi. C'est lequel d'Animal Crossing qui t'a le plus déçu? Alors, celui qui m'a le plus déçu, c'est ACNH. Mais pour autant, c'est un opus que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est juste qu'il m'a déçu par rapport au fait qu'il y ait très peu d'améliorations de boutique et qu'il soit moins fourni au niveau du contenu. Mais par contre, les possibilités de déco sont assez incroyables. Mais en termes de gameplay, ACNH est vraiment une coquille vide, tu vois. Et celui que j'ai le moins aidé, que j'ai moins, le moins aimé, je dirais que c'est Wheel World. Merci beaucoup, Seiko, pour ton follow, bienvenue. ACNH, en fait, il est très innovant, il a beaucoup de nouveautés, etc., etc. Vas-y, Trésor. Il te permet de faire pas mal de choses, de décoration et tout. Mais par contre, en termes de gameplay, c'est une coquille vide. Il a très très peu de gameplay, en fait. Il a pas de gameplay, même. Quasiment, en ACNH, c'est très vide en gameplay. Le gameplay, en fait, de ACNH, c'est la déco. T'as remboursé ton prêt? Comment ça, j'ai remboursé mon prêt? Je sais pas. J'en sais rien. Attends, tu sais quoi? On va aller sur le ponton, parce qu'à tout moment, ils m'ont dit qu'il y avait l'autre qui était là, pour m'emmener sur l'île, et à tout moment, j'ai pas lu les dialogues, parce qu'ici, on ne lit jamais les dialogues. Hop. Allez, cours. Il faut qu'on refasse les papa yeti, les yetiti, les pipi yeti, les poupou yeti. Ah bah non. Attends, donc là, ça veut dire qu'il faut que je débourse de l'argent? J'ai pas l'argent, je suis pauvre. J'ai pas l'argent. J'ai pas d'argent. Le plus gros rat de la terre alors que je crois que j'en ai. Non, j'en ai pas, j'ai 8000. J'ai pas d'argent. Pour rembourser un prêt pour l'avoir. Mais j'ai remboursé les 10 000. Je sais plus combien il m'a demandé là au tout début de l'aventure. Il m'a demandé combien? Je sais plus. Vends tes pommes parfaites. Non. Non. Demande à Nonos. Nonos, t'as de l'argent? Attends, attends, je vais aller à mon endroit préféré, bien évidemment, de cette île. Hop. Toujours plus d'argent. Toujours plus d'argent, bien évidemment. Toujours, c'est très important. Mais déjà, qu'est-ce que j'ai des trucs qui traînent comme ça partout, là? On peut les vendre, les espèces de gyroïdes ou quoi que ce soit, là? Et les gyroïdes, je les vends où? Pour que ça me rapporte le plus de thunes chez Risette? Parce que je crois qu'il n'y a pas tout qui te rapporte de l'argent. Enfin, il n'y a pas tout qui se vend plus cher chez Risette. Il y a des trucs qui se vendent plus cher chez... Chez l'autre, là. Ah bah tiens, article phare du jour, la coquille d'huître. Comment j'obtiens des coquilles d'huître, moi? Comment j'obtiens ça, coquille d'huître? Hop, un stylet, c'est parti. Oh, il y a cachou! Pas cachou, pécan. Bref, c'est pareil. Hein. Hop, regarde hein. Bah... Mais qui c'est qui a mis... Mais c'est ma boutique, ici! Attends. Il y a quelqu'un qui a osé mettre une plante dans ma boutique. Ok? C'est ma boutique ici. Tiens, prends mon rubis. Le rubis, toujours 9999. Parce que... En gros, c'est vendre des coquillages. Les coquilles d'huîtres, c'est vendre des coquillages? Sinon, échange tes bons de commerce contre des clochettes à la poste, ça rapporte grave. Pourquoi tu vends pas tes pépites d'or directement? Parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent ici, lumière! Attends, lumière! La pépite d'or, elle te la rachète 4000 ou un truc du style. Je sais plus combien. Un truc du style, tu vois. Et là, si tu les mets à 9999, t'as des pigeons de ton île qui vont venir te les acheter. Attends, 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 attends! Et nous, on a... on a exploré toutes les fonctionnalités ici, hein. J'avoue. Eh ouais. C'est plus long. C'est plus long par contre. Mais l'argent est à nous. La richesse est là, tu vois. En fait, t'arnaques tes habitants. Non.
Non, mais c'est juste en attendant de pouvoir aller sur l'île. Je vais aller sur l'île bientôt, là. Tiens, vas-y, flash sur un truc. Tiens, elle a flashé sur mon dino. Oh, un crâne de Dimétrodon! Puisque tu es là, autant te le demander, ma pêche. Comment as-tu estimé son prix? C'est une bonne affaire, hein. C'est une bonne affaire. C'est une très bonne affaire. C'est exactement ce que je voulais entendre. Rizette, pourrais-tu venir ici un instant? Et voilà! Business is business! Les pigeons sont arnaqués, la boucle est bouclée! Et si je te payais directement, accepte les règlements aux clochettes? Allez, donne mon argent. Eh ouais. 10 000 balles. 10 000 balles pour un fossile. Voilà. Merci Flashbob pour ton follow. J'avais un taux à 180 clochettes hier sur ACNL. Hein. Putain, j'ai pas encore exploré les navets. Attends. On va faire tout ça. On va faire tout ça. Déjà, on va aller expertiser les fossiles. Ensuite, on va aller à la poste, là, comme vous me l'avez dit. Ensuite, on va aller sur l'île. Ensuite. T'inquiète, on a plein de choses à faire. Et les nouches, merci beaucoup pour le Prime. 28e mois, les nouches. Rends compte de ça? Merci beaucoup pour ton Prime. Et merci Nored pour le follow. Alors, le musée, il est là-bas. Du coup, j'ai débloqué le badge en argent des navets. Je l'ai pas encore eu, Helium. J'aimerais tellement avoir un mégaphone. Mais... Oui, je fais des lives TikTok, Valo. Tu préfères New Leaf ou New Horizons? En vrai, ça dépend ce que je veux faire. Si, par exemple, je veux du gameplay, je vais jouer à CNL. Par contre, si je veux faire de la déco, maintenant, je vais jouer à CNH, tu vois. Mais je dirais quand même que ACNL représente plus de souvenirs, plus de voilà. C'est le jeu de mon cœur, quoi, on va dire. Tu vois, gros, en gros. C'est quoi la différence entre la version DS et 3DS? La version DS, c'est Wheel World, et il est beaucoup moins complet. C'est l'un des opus les moins complets. ACNL est l'un des opus les plus complets. Daf, merci beaucoup pour le 13e mois. Merci, merci. Ouais, plus de nostalgie dans ACNL. Plus de nostalgie, puis plus de gameplay aussi. Enfin, c'est différent. Mais il est vrai que j'aime beaucoup ACNL. À chaque fois, j'y retourne. Même Let's Go to the City, hein. Let's Go to the City aussi, c'est un opus que vraiment, je... Voilà. Let's Go to the City, quoi, finalement. J'ai claqué 40 euros dans Happy Home Designer. Oh, Happy Home Designer! Ça aussi, ça ferait un bon jeu à faire, hein. Happy Home Designer. Attends, non, c'est bon, je t'ai fait toutes tes donations. Laisse-moi m'en aller. Hop. Putain, il vient de me soutirer je sais pas combien de thunes, là. À lui donner les fossiles. C'est mes fossiles. C'est trop. Attendez, il est combien le prêt de Nook? J'ai pas l'argent, moi. Ah, attends, déjà la poste. Tu trouves que t'avances plus vite dans NL ou NH? Ah non, j'avance plus vite dans NH. Dans NL, là, j'en suis à mon 3e épisode. J'ai même pas débloqué l'île. Au bout d'un moment, faut doser. Après, je suis lente aussi. Certes. Mais quand même, hein. Retrait dépôt. Je peux pas encore vendre les tickets. Bah, mon argent est mon argent. Donc, je vais le garder. Il me semble qu'en effet, je peux vendre mes tickets de la borne communale. Mais je peux pas encore pour le moment. Hop. Hein. Par contre, Nani, t'es un... À peine gênant avec tes fesses là. Il faut aller parler à Nook. Ouais, j'y vais. Je trouve moi personnellement que dans New Horizons, trop de choses ont été supprimées. Ouais, bah il y en a pas mal. Hein. Ah, mais je crois qu'en fait il fallait juste que je rentre. Regarde. Revenons sur Terre. C'est ça qu'il faut que je paye? 39 800? Non, j'ai pas été voir Runar, faut que j'y aille. Comment ça, 39 800? J'ai pas l'argent? Oui, c'est ça. J'ai pas de sous. J'ai pas de sous. Comment ça? Si tu veux, je te donne des glos, j'en ai beaucoup, je te jure. Non. Pour le moment, je fais l'aventure par moi-même, tu vois. Par mes petites mains. Plus tard, on acceptera vos offrandes. Vos offrandes. Pour le moment, je joue.
par moi-même. On essaye de faire les trucs bien, tu vois. Hop. Clairement, en fait, il n'y a plus vraiment le online d'avant. Après, tu sais, tous les opus ont chacun eu leur spécificité. Dans le sens où, pour New Leaf, c'était l'île Tortimer. Pour Let's Go to the City, c'était la ville. Après, certes, c'est dommage qu'ils aient pas remis la ville dans NH. Mais du coup, ça faisait partie, enfin, la ville et... t'as compris, quoi. Et bon, ça faisait partie des spécificités qui sont liées aux versions, quoi. Attends, Fluffy ne veut pas taxer. T'as vu ça, Ligel? Je suis malade, hein. Plus tard, elle acceptera nos subventions. Ah bah, ce sera même les impôts, finalement, quoi. La taxe. Je vais me ramener chez vous, comme Manu, et puis je vais vous demander 40% de vos biens, finalement. C'est... Voilà, c'est juste une question de temps, avant que ça n'arrive. Oh, il y a Nemo, là, dans la mer. J'en veux pas. Il rapporte pas d'argent, Nemo. Moi, je veux des coquillages. Hop, hein. Elle va vite changer son discours, vous inquiétez pas. Quand je vais voir déjà le prêt à 50 000 balles qui va s'afficher sous mes yeux, je vais être en mode « Hey !» Comment ça? Comment ça, 50 000 balles, finalement? C'était pas prévu comme ça. Hop. Ouais, le online de la 3DS, il est coupé en avril, non? J'ai pas la date exacte, je pense que ça doit être le 1er avril. Imaginez. Imagine, le 1er avril. Là, il nous balance, hein. Et non, finalement, c'était un poisson d'avril. Le online n'y sera pas coupé. C'est pas drôle. Ah, pourquoi elle dort? Pourquoi elle dort, l'autre grognasse? Tu vas live toutes les semaines sur ACNL. On avait même discuté du fait qu'on passerait à deux fois par semaine. Notamment le mercredi midi, qui passerait sur ACNL. Parce que vu que je relive dessus le samedi, j'aime bien que ce soit au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que... Enfin, pour moi, en tout cas, ça n'a pas d'intérêt de faire ACNL le vendredi et le samedi, tu vois. Je voulais que ce soit un milieu, donc... un milieu, enfin... Coucou Pistil, comment ça va? Donc du coup, le milieu, c'était mercredi, quoi, on va dire. Madame le maire, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est exactement ce que vous croyez. Ok. Je m'étais assoupie, mais je rêvais de dossier en cours. Promis. Ah, mais c'est le salon des rêves, hein. Un visiteur est venu me voir pour nous proposer un projet de travaux publics. Il souhaitait faire bâtir un salon de détente. Eh oui. Eh oui. DDV, ça va être soit le lundi, soit le jeudi, Lali. L'un des deux jours. Et quand il y aura les mises à jour, on passera à 2-3 créneaux. Pas compris. Pourquoi j'étais venue la voir, déjà? Pourquoi j'étais venue la voir? Bah écoute. Ça devait être super intéressant, du coup. Coucou à coup, comment ça va? Oh. Pas grave, let's go. Je me souviens même plus pourquoi je suis rentrée ici. Bon, bah ça devait être super important. Hop. Donc le salon des rêves. Par contre, pour le salon des rêves, faut que je fasse quoi? Oh, il faut payer? Non, mais il faut arrêter de me demander de l'argent. Mais Tortimer, je crois que je le débloque quand j'aurai déboursé mon premier prêt, là. Va à la gare. Putain, faut payer. Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch si vous avez un compte Twitch. Comme ça, vous pourrez participer au chat. Tu dois payer à la gare. C'est combien le salon de détente? J'ai pas d'argent. Merci Miko pour le follow. J'ai pas d'argent. Ça va devenir ma nouvelle phrase. J'ai pas d'argent. C'est 30 000. C'est tout? Ça va en vrai. Je m'attendais à plus. Bon, ça reste de l'argent que je n'ai pas, mais quand même, hein. Tortimer, c'est au bout de 7 jours, il me semble. Ah, bah, il devrait pas tarder, alors. Il devrait pas tarder parce qu'on y est presque, hein. Mais du coup, je peux regarder ton stream. Bon, en effet, il faut voir le bon côté des choses, mais j'espère que tu vas bien, quand même, à coup. OMG, tu joues à CNL, je vais pleurer, ça fait longtemps. On a repris il y a 2 semaines, enfin, le 2 janvier. Non, je crois que c'était avant le 30 décembre, je sais plus. On a repris avant la bonne année, je crois. Oula, non, qu'est-ce que je fais?
Hop. Par contre, on est d'accord que le multijoueur local, il fonctionnera toujours. Ouais, mais le multijoueur local, c'est qu'il faut avoir des gens à côté de toi qui ont le jeu et la Switch, quoi, tu vois. Ouais, Sandrock, il faut que je le finisse. Ok, je viens de vendre ça. Merci Julie pour le follow. Le salon détente, c'est 225 000. Comment ça, c'est 225 000? On m'a dit que c'était 30 000 avant. Vous êtes sérieux? Je vous demande pardon. M'avait menti, hein? 2500, bah super, on va aller loin avec ça. Hein. Coucou Célina. Et qui c'est que... Moi, je veux ça. Une Aloès par Coaline. Putain, ça coûte cher, hein? Je viens de gagner de l'argent que j'en revends. Hop. Voilà. La Switch, on parlait de la DS. Oh, vous me perdez dans vos... Je demande pour la DS. Le salon des rêves pour la Nintendo... Pour la 3DS, c'est combien? Mais dans la Switch, en plus, on le paye pas. Oh, vous m'avez perdu. C'est 234 000. Eh bah, super. Une ambiance, tu kiffes, quoi. Le tournoi de pêche aura lieu samedi. C'est quand, samedi? Attends, le 15. Jeudi. Ça veut dire que là, samedi, il y a un tournoi de pêche. Ok, vas-y. On va faire le tournoi de pêche après. Hop. C'est aujourd'hui, samedi. Oui, mais ma Switch, elle est pas à l'heure. Il est où, Gyroïde? Elle m'a menti, la grognasse. Voilà. Elle m'a menti. Oublie pas le rendez-vous avec Théo. Ah putain, oui, c'est vrai. Il faut lancer le projet avec Marie. Ah! Ok. Coucou Héloïse. Putain, je me souviens de rien. Ok. C'est dans la rue commerçante. Attendez, mais je lui ai parlé? C'est un projet public. Ah, donc le salon de détente, il faut que je le fasse construire. Ah ouais, mais là, j'ai pas les moyens, là. J'ai pas les thunes. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse construire le salon de détente maintenant, tout en sachant que dans tous les cas je n'aurai pas l'argent et que je l'aurai pas et que ça sert à rien, tu vois? Je sais pas. Vous en pensez quoi? Je joue sur 3DS. J'ai un capture board. On va aller par ici. Comment je me fais de l'argent là en vitesse? Parce que les coquillages, c'est un peu nul, hein. Je continue d'essayer d'arnaquer les habitants ou alors j'essaye de me faire de l'argent de façon legit? Regarde, même elle est en quête d'argent là. Elle est où ma pierre à sousou? Hop. Les fruits parfaits. Ça vaut combien unité les fruits parfaits? Les navets. Ah, j'ai pas regardé mon taux de navets, j'avoue. J'avoue. Merci beaucoup, Will, pour le follow. Bienvenue. On retourne là-bas. On va voir le taux de navet. Après, est-ce que ce serait pas stratégique? On décale à samedi. On fait le tournoi de pêche. Ensuite, après samedi, t'as dimanche. Merci, Fluffy. Voilà. Après samedi, t'as dimanche. Tu récupères des navets. Tu pries pour avoir un bon taux de navet pendant ce temps. Tu vois? Je sais pas. Et après, il y a lundi. Shit! J'essaye de trouver des solutions. Débloque l'île. Ouais, mais il me faut de l'argent. Elle paye 145 clochettes les navets aujourd'hui. Coucou Evan, comment vas-tu? Le tournoi est passé, c'était le 15. Tu crois? Non, le 15. Le 15, ils ont posté qu'il y avait un tournoi ce samedi. Ça veut pas dire qu'il est passé, si? Merci, Célia, pour le 26e mois. Merci beaucoup. Attends, faut que je retourne lire le message. Bon, y a personne qui vient. On saoule, eux.
Pour avoir l'île, tu payes pas. C'est le trajet qui est payant. Bon, vous savez quoi? Vous émettez trop de théories. Voilà. Moi, je m'en vais. Vous émettez trop de théories. Fais la technique de l'île de 19 à 20h pour capturer les scarabées. Ouais, mais j'ai pas encore l'île. Je sais. J'aimerais bien aller sur l'île, mais j'ai pas encore l'île. Hein. Théo, Théo. Ah merde, Théo! Ouais, mais Théo, il va m'apporter. À aucun moment, il va m'apporter de l'argent. Si? Il est capital, Théo, ou pas dans une vie? Est-ce qu'il est capital, Théo? Non! Il va m'apporter de l'argent ou pas? Théo, c'est mon premier habitant. Bah bien sûr, ça va être notre faute. Arrêtez, Théo, t'es bas! Non mais vraiment, Théo, je lui fous un lapin ou pas? Il va être content ou pas? Je lui fous un lapin? Est-ce qu'on le respecte, Théo? Est-ce qu'on le respecte? Il va rien dire. Tu crois qu'il va rien dire? Il va pas le prendre mal? Attends, vas-y. Il va pas le prendre mal. On va voir. À tout moment, il va se ramener, il va me dire, ouais, tu m'as posé un lapin et tout. Nanani. Non, je veux pas y aller. Ok, c'est bon. Hop. Je crois qu'ils font une remarque, non? Bah, on va voir. Imaginez ça. Ça arrête notre relation. Imaginez d'un seul coup, il nous dit « Ouais, toi et moi, je pensais que c'était pour la vie, puis tu m'as mis un lapin, et puis machin, et tout. » Non, il dit rien. Putain, s'il me dit rien pour le rendez-vous, enfin, pour le lapin posé... Bah, je suis triste, quoi. Grave une victime, finalement. Tu me trompes avec Théo? Une nouvelle âme s'est installée! Ouais, super! C'est la grognasse qui s'est mise juste en face de chez moi! Comment je suis heureuse, hein? Putain! Oh putain, puis alors lui! Oh putain, tu m'avais pas manqué! Merci madame pour ton prime, merci beaucoup! Regardez-le avec sa grosse tête rose, hein? Regardez-le! Merci du soutien. Il me gêne ce casque. Mais d'un côté, je veux la musique dans les oreilles. Attendez, je vais mettre la musique plus fort. Ouais, comme ça, je l'entends. Ok. Ok, Ciboulot. Et toi là? T'es le maire de cette ville, non? Désolée de débarquer sans prévenir. J'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu me donner l'autorisation? Oui, oh, je veux aller danser. Viens danser sur les sunlights des tropiques. Eh, on va aller danser chez Ciboulot. Hop. Cependant, je me dois de donner un détail sur mes projets. J'ai l'intention de faire bouger Flumera en ouvrant une discothèque. Vas-y, nous, on veut. Tu n'as pas l'air aussi enthousiaste que je l'espérais. Pardon? Mais c'est pas grave, tu m'as l'air d'être une artiste dans l'âme. Je l'ai toujours su. Merci, Madame le maire, d'avoir donné ton accord. En vérité, je suis déjà passée à ta mairie, la secrétaire. Oh putain, puis alors lui. Il s'est pas genre juste ramené en mode « Hey, il se passe quoi les gars ici? Moi aussi, je veux savoir ce qui se passe. Hey les gars !» Il ne reste plus qu'à obtenir des signatures. Vas-y, Jamy, il va signer lui. Lui, il va être heureux de signer. Et ces signatures, c'est toi qui vas t'en occuper. Oui, bah bien sûr, c'est vrai, moi je fais le travail pour tout le monde, quoi. Hein. Hop. Après, déjà, j'ai pas eu... J'ai eu Elvis Presley, mais j'ai pas eu l'autre, là. Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle, déjà? Je sais plus. Bon, MJ, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc, ça va, je suis quand même heureuse. Ok, on va faire signer ça, juste, attends. C'est qui? AJD. En tant que membre, tu as désormais accès à notre village témoin. Super. Je suis trop heureuse. C'est l'endroit où je suis jamais allée. Ok, donc bam. Oh, comment ça, il y a... Je mets des trucs partout, les amis. J'en fais traîner de partout. C'est un truc de fou, le fourmilier. Ouais, voilà, Blair, exactement. Je préfère avoir Jamy que Blair, tu vois. Mais hier, il y avait Runard.
esprit haut destiné. Miaou. Oh, incroyable. Je vois un nombre infini d'étoiles qui brillent autour de toi et veillent sur ton âme. Moi, Astrid, je peux révéler ton avenir et te tracer un chemin pavé d'or pour 500 clochettes. Oui. Très bien. Examinons un peu la conjoncture astrale. Prends place. Merci, Sarah, pour le follow. Oh, esprit au destiné, miaoui! Ah, oui. Tout est clair. Sur une falaise du haut de laquelle on aperçoit toute la beauté du monde, trône un banc isolé. Sur ce banc, côte à côte, deux pélicans. Sont-ils amoureux? Sont-ils juste amis? Se connaissent-ils seulement? De là où je me trouve? Je vais mourir! De là où... Attends, on reprend. De là où je me trouve, les signes font aucun doute. Je vois beaucoup de l'amour et beaucoup de chance. Un bas pour homme. Voilà la clé d'une chance insolente. Merci Astrid. Du coup, faut que je mette un caleçon, c'est ça? Que le bonheur frappe à ta porte et celle de tes proches. N'oublie pas, un mauvais moment n'est rien qu'un mauvais moment. Ok, d'accord, si tu veux. Du coup, il faut quoi? Faut que je mette un caleçon? C'est quoi le délire? J'ai pas compris. Déjà, attends, comment ça? Oui, deux pélicans. Sur la falaise, bien sûr. Déjà, la falaise, je sais où c'est. Attends. Mais c'est quoi le délire? Faut que j'achète un froc? J'ai pas compris. Madame, il faut être plus clair dans les explications. Madame, j'ai jamais compté un string. Elle a dit un bas pour homme. Bon, après, bon, tu me diras. Oh, Street Pass. Comment ça, deux pélicans? Eh, ils sont pas là, hein. Par contre, deux pélicans amoureux. Comment ça? Un bas pour homme. Attends, je vais là-bas. Oh, elle fait référence à deux pélicans. On dirait tellement l'histoire que t'as racontée. Mais oui, c'est les deux grognasses, là. Vous savez que je suis prête à parier que Elisabeth et Antoine s'aimaient. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, hein. Vraiment, hein. Vu que Opélie et Antoine ne se sont jamais aimés, comme on a pu le voir dans la vidéo, là. Je suis prête à parier que c'est Elisabeth qui aimait Antoine et bref, voilà quoi. Coucou Chloé, merci beaucoup pour le follow. Oh, le méga. Non, non, t'as pas besoin de m'expliquer comment ça fonctionne. Je gère. Laisse-moi tranquille. Voilà. Ensuite, on a un lit. Donne-moi le lit. Elisabeth, c'est la peste. Oui, vous avez pas vu la vidéo sur les pélicans que j'ai fait? Et en gros, Elisabeth, elle est sans arrêt là en train de dire « Oui, je l'aime pas, c'est un con, etc. Machin, nini, nanana, nanana, nanana. » Et je suis prête à parier qu'en fait, elle l'aime. Attention. Vous êtes prêts ou quoi? Salut les grognasses! Ah bon? D'accord. Bon, bah, c'est pas grave. Putain, on a même plus le droit de parler ici. Il t'a stop net. Putain. Bon, bah c'est pas grave. Attends, elle m'a dit un caleçon. Ça là. Non, pas ça. Ça, c'est un caleçon, ça. Un short tartan vert. Ça, c'est un bas pour homme, non? C'est bon, maintenant, je suis... C'est pas ma faute. C'est Astrid qui l'a dit. C'est pas ma faute, c'est Astrid qui l'a dit. Astrid, elle a dit, on doit avoir un caleçon, ok? Merci le pro pour le follow. C'est pas moi. Robert, 50 ans, se réveille et prend son journal, boit son café. C'est nous. Oh, t'aurais pas une hache, toi, aujourd'hui? Donne ta hache, s'il te plaît. J'ai jamais compris ce que Astrid disait.
Bah théoriquement, elle t'indique un truc pour avoir de la chance, mais le problème c'est qu'elle est tellement vague. Un bas pour homme, c'est bon, ça c'est un bas pour homme ou pas, j'en sais rien. Après, je crois que les vêtements de ACNL sont triés. Vous savez, pour les défis Carla, donc il faudrait que je voie. T'as pris les pouces? Ah non, j'ai oublié. C'est pas grave. Attention. Bonjour les grognasses! Ah. Eliam? Comment ça, Eliam, c'est Clarabelle qui me répond? Eliam! Il est pas là. Bah, je m'en fous. Ok? Le tournoi de pêche a lieu demain. Ok, d'accord, si tu veux. Mais putain, mais pourquoi c'est toujours Clarabelle qui répond? Coaline! Coaline! Coaline? Elle est où? Coaline! Pardon! C'est juste toi qui t'y prends mal. Oui, bah ça va. C'est comme on peut dans la vie. Déjà, j'arrive pas à débloquer l'île là. Laissez-moi tranquille. Attends, faut que je récupère de l'argent. Voilà, exactement. Il sert à quoi le mégaphone, hein? C'est pour appeler les habitants de ton île. Et en même temps, tu peux... Coucou Elisa. C'est pour appeler les habitants de ton île, puis pour appeler bah, Eliam, tu vois, les personnages spéciaux, en vrai. Oh, article phare, les cristaux. Combien elle me rachète? Attends. Eh, attendez, article phare, ça fait combien? Ça fait fois combien? Fois 3, fois 4, fois 10, fois 11? Si tu me rachètes plus que 9999, tu deviens intéressante. Sinon, tu peux aller te brosser. Améthyste. Non, je suis désolée, c'est pas assez. C'est pas assez, bah oui, mais je suis désolée. Je peux arnaquer un de mes habitants en le vendant 9999. Donc, non, c'est pas assez, madame. C'est en avril, Élise qui coupe. Hop. On va mettre 9999. Voilà. Oh, il y a quelqu'un. Bonjour, bienvenue dans ma boutique. Entrez, entrez. Venez. Vous avez le choix entre pépite, fossile... Ah, pépite. C'est parfait, c'est incroyable, tu vas kiffer. Oh, ma pêche. Je vois que c'est une pépite d'or qui t'appartient. Tu m'assures que c'est une bonne affaire? Une excellente affaire. Allez! Tu t'es pas du tout fait arnaquer. Bon, ça n'empêche que j'ai toujours pas l'argent pour mon prêt, quoi. J'ai toujours pas... J'arnaque tous les habitants de mon île, mais j'ai toujours pas l'argent qu'il me faut. J'en peux plus, moi. Hop. On s'en va. Mais l'autre, elle m'a dit que j'allais avoir de la chance aujourd'hui. De la chance pour quoi, même? Oh, regarde. Je comprends pas, genre, comment je peux avoir de la chance? Comment tu peux être encore pauvre avec toutes tes arnaques? Alors, c'est pas de l'arnaque, c'est du dropshipping. Je récupère quelque chose,
que je vends beaucoup plus cher. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas eu le dernier truc? J'avais fait les trous et tout. C'est quoi cette arnaque? Oh, j'ai bientôt assez d'argent pour le prêt. T'as mal creusé derrière. Bah super. Je suis pas contente. Ouais, je sais pour les baisser à la poste, mais je peux pas encore les vendre. J'ai pas réussi la dernière fois. T'as pas explosé le rocher assez vite. Non mais c'est quoi qu'elle a voulu me dire par de la chance, elle, hein? Eh, je vais retourner la voir, hein, ça va barder, moi je vous le dis, hein. Elle me dit je vais avoir de la chance, mais quelle chance même. Hé, hey, Astrid! Reviens là! Elle est où? Là-bas. Oh là là, puis il y a des forêts, il y a de la mer partout ici. Et de l'amour, mais quel amour même? Je m'en fous de l'amour! Je m'en fous de l'amour! Mais quelle honte! Astrid! Qu'est-ce que t'as raconté là? Sois plus clair! De la chance en amour? Un bas pour homme. Cet objet est le chaînon manquant vers une journée radieuse. Putain, mais c'est quoi l'axe que j'ai sur mes fesses? Regarde! Mais c'est quoi ce que j'ai sur le cul si c'est pas un bas pour homme? Vidéo sur ACNL, non. Mais par contre, oui, je fais des lives que je mets en rediff sur YouTube en tôt, si tu veux. Mais qui sont pas sur ma chaîne principale, mais sur ma chaîne secondaire. Là, ça y est, j'ai perdu la personne. J'ai perdu la personne. Ah, non, quoi? C'est Fluffy Replay. La chaîne secondaire. Et attends, Clarabelle, toi, là. T'as quelque chose à me dire ou quoi? J'ai même pas eu encore un seul projet public. Tiens, tiens, qu'est-ce que tu voulais? Signe. Ah oui, c'est vrai, faut que... Attends, faut signer la pétition, c'est vrai. Tu veux faire construire une discothèque? Bien sûr, hein. Allez, je signe. Je savais que ça allait te plaire. Toi, t'as une tête à te déhancher sur le dance floor. C'est sûr, tu vois. Tiens, on peut pas dire que ce soit la fête des signatures sur ton papelard, là. Hein. Oh, ça va, 5 minutes, hein. Ça arrive, on va faire signer. Non mais oh, que les grognasses dans ce village, hein. Moi je vous le dis. Hein. Hop. Récupère mes fossiles là aussi au passage. Est-ce que ça, on a quelque chose dedans? Déjà je comprends pas, elle m'a dit 2 pélicans sur une falaise, je vais sur la falaise, il n'y a pas des pélicans, je suis un peu déçue. Je pensais tenir une exclue, tu vois. Que dalle. Personne. Nada. Oh, la cochonne. Attends, elle va nous signer quelque chose elle. Et ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas papoté. Si, nous tu finis en saucisson. Dépêche-toi. Faut signer ici. Un autographe? Non, pas vraiment. J'ai le droit à combien de signatures? Une seule. Autant j'ai eu de la chance au niveau des habitants du début, mais alors là... La suite, ça a été catastrophique. Hein. C'est un délire. Ok, toi c'est fait. Il faut combien de signatures? Parce que là, bon... Ils se battent pas à ma porte, quoi. Hein. Il y a qui, ici? Elle donne envie de vivre dans son village, celle-là. Bah oui, vous voulez pas venir vivre avec moi? C'est quoi? J'en veux pas de ça. Ça aussi, j'en veux pas. Il y a un muguet! C'est le mec de l'insectofari, là. On attend toujours Babouin. Attends, mais il me reste combien de places dans mon village? Faut que je regarde ça. Oh, Jarod! Attends. Il n'y a que la table germe qui m'intéresse. Le tas de feuilles. Eh, tu sais quoi? Non. Je veux pas. C'est nul, tes objets. Le thème, bah... C'est ACNL, donc ça va être quelque chose de naturel, quoi. On avait dit ça pendant le premier truc. Pendant le premier épisode. Attends, je veux voir combien j'ai d'habitants. En vrai, ACNL, ouais, je pense que je vais pas trop me faire chier. Je vais faire comme ça vient au niveau de la déco. Hein.
avec les projets publics et tout. Hein. Là, actuellement, on a Coaline, Nonos, Pécan, Théo, Rose, Clarabelle, donc 7. Faust, Jamie, Cachou, donc 9. Je crois que c'est 11 à CNL. C'est 10 plus 1, le mec de... 10 plus 1 du camping, donc 11. Donc il nous en manque encore 2. Bon, qui veut signer ma pétition, là? Toi, t'as une tête à signer ma pétition, là. Cachou. Quand ça s'appelait... Mais oui, quand ça s'appelait les échelles de Jacob. Au début, je m'en souviens, dans ACNH, je disais toujours les échelles de Jacob. Et tout le monde me disait, mais pourquoi t'appelles ça les échelles de Jacob? Bah, les échelles... Voilà. Non, c'était 9 plus 1. C'est nul. Donc là, il me manque plus qu'un seul habitant. C'est trop triste. Elle veut pas signer? Nettoyer, allayer, astiquer, ce soit toujours. Tu veux pas signer? T'es nul, tu sers à rien. Ok. On va faire signer quelqu'un d'autre. Elle vient de s'installer aussi. Moi, j'arrive, je la harcèle. Forcément qu'elle a pas envie. Attends, mes fleurs. Putain, mais lui, il est tout le temps dans les fleurs, là. Tiens, signe la pétition. Et je crois qu'il a déjà signé, lui, non? Non, il a pas signé encore. Tiens, la discothèque, toi, tu vas aimer, ça. Ça, c'est 10. Donc, il me manque plus qu'un seul habitant. Imagine, le dernier, c'est Babouin. J'abandonne. Je quitte le navire. Je me casse. C'est trop pour moi. C'est pas possible. Il faut arrêter. Je refuse. Lady, merci beaucoup pour le troisième mois. Comment vas-tu? Comment ça va, Lady? Oh, ACNL, ça date. Ça date. Non, oui, ça date un peu. J'ai quelqu'un sous mon TikTok qui m'a dit que ACNL avait disparu aussi vite que Harry Potter Hogwarts Legacy. Sachez que je ne suis pas d'accord avec cette personne. Il se trompe. Il se fourvoie. Harry Potter Hogwarts Legacy a vraiment disparu en l'espace de quelques semaines. ACNL a duré 7 ans. Je ne suis pas d'accord. ACNL a duré plus longtemps que ACNH. Il a eu une durée de vie, mais monstre. Il était pas là en 2015, c'est pour ça. Je pense aussi. Hein. Il était biaisé par... Non. Non. Moi, je... Non. Tandis que, après, d'un côté, il a comparé deux jeux qui étaient vraiment pas comparables, quoi. Hogwarts Legacy et CNL. Les deux jeux n'ont aucun rapport entre l'un et l'autre. Mais bon, ça, c'est un autre débat encore. Ça aussi, on va arroser. Hop. Hein. Ah, j'ai pas d'autres lys que les lys rouges, là. Donnez-moi autre chose aussi. Ça, si j'arrose, ça va donner la même fleur. Ça m'intéresse pas. Ah, j'ai que des cosmos oranges. C'est nul. Ma seule rose violette, là, je l'ai écrasée. Bon. On s'en va d'ici. On fait quoi? Il nous faut de l'argent, toujours. Ça fait 15 jours que je joue à SNL. Ça fait 15 jours que je dis qu'il me faut de l'argent. Fluffy, passion hybride. Ah, mais mon but, avoir la rose bleue, clairement. Hein. Oui, bien sûr. On aura la rose bleue, les amis. Hein. Il faut les signatures. Les cosmos oranges, ça peut te donner une cosmo noire. Ok, on arrose les cosmos oranges. La définition d'être une girouette. T'aurais pu le dire plus tôt quand même, hein. Parce que là, bon... Hop. Le live se termine quand? Jamais. Cette réponse. Ici, il y a quelqu'un. Lui, c'est Faust. Hop. En parlant des roses bleues, j'ai réussi à en avoir enfin. Sur quel jeu? Oh, j'adore ta maison. Ça fait une semaine, hein. Tiens, une nouvelle ride. Et ma main dans ta gueule, c'est une nouvelle ride ou quoi? Non mais oh. Pardon? Mais il est fou, lui. Je sais que je vais avoir 28 ans, mais calme-toi. Non mais tiens, une nouvelle ride, hein. Gros malade.
T'as eu beaucoup de refus. Parce qu'il manque encore pas mal de signatures, c'est pas gagné. Oui, bah ça va, 5 minutes. On y arrive. Hein. Les roses bleues, moi je suis partie en voler sur ma ville. Oh non ! Lolo, legit. Une aventure legit. Coucou Bellany. Il dit que ta ville est ennuyante alors que c'est faux. Bah après, bon. J'ai 28 ans, je n'accepterai aucune critique. Aussi. Tiens, signe. C'est pour construire une discothèque. J'ai hâte de mettre ces biscottos à l'épreuve. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Allez, signe. Bah, c'est legit. Non, mais on fait tout de A à Z, Lolo. T'y es presque. Te reste plus que la dernière ligne droite. Attends, ça veut dire qu'il m'en reste que une, ça? Tiens-toi. Signe. Ça fait un sacré bail. Mais arrêtez de dire ça, c'est bon, ça y est, j'ai pas joué pendant 5 jours, là. Faut arrêter. Dans ce village, c'est des dramas. Tu pars 3 jours, ça y est, ils sont là en mode, oh là là, ça fait une éternité. Calmez-vous. Merci Lola pour le follow. Ça va, on a le droit d'avoir une vie aussi à côté, hein. Tu as rassemblé assez de signatures, je sens qu'on va s'éclater. Ok, attends, je vais donner ça à Ciboulot après. Merci beaucoup pour le follow, Rodema, bienvenue. C'est quoi l'objet phare du jour? Ah oui, c'est les cristaux, c'est vrai. J'ai pas regardé le taux des navets aujourd'hui. On peut faire une prédiction taux des navets, tiens. Je vais aller faire ça. Mais juste avant... J'ai des fossiles à expertiser, ouais. J'ai des fossiles à expertiser, donc je vais expertiser mes fossiles. Et je vais vendre... donner le truc à Ciboulot, là. Après, ramène-lui des fruits à manger, il te montrera des émotes tous les jours. Ciboulot, ouais, t'inquiète. Il faut qu'on ponce. On va poncer le jeu. Hop. Je retourne au moins 6 ans en arrière, Animal Crossing New Leaf. À quoi vous avez tous oublié ce jeu? Non, c'est pas possible. Il est inoubliable. Ah, il dort, comme d'habitude. Allez. Hop, hein. Qui va là? Tiens, expertise. Je suis en retard, mais j'ai une bonne excuse. C'est marrant, Chloé, t'as tout le temps des bonnes excuses, quand même. C'est un peu comme moi, finalement. Pour Ciboulot, faut y aller l'après-midi, hein. Le matin, c'est fermé. Je me souviens plus des horaires d'ouverture du magasin de Ciboulot. Je sais plus c'est quoi les taux sur ACNL. Ouais, on fait genre... on fait une prédiction moins de 100, plus de 101. Parce que imagine, on a 100 piles, ça va bien nous, tu vois. Coucou Junie. Ouais, moins de 100, plus de 101. Je sais plus c'est quoi les taux non plus de ACNL. Tiens, prends les fossiles. Il ferme jamais la discothèque. La discothèque, elle ferme jamais? Mais il est là le matin? Je crois qu'il est pas là le matin, non? Oh, je sais plus. Je sais plus, j'ai un gros trou de mémoire là-dessus. Je suis la meuf qui a fait 13 villes dans Animal Crossing New Leaf, mais qui a fait une seule fois le gameplay. C'est ça la réalité des choses. Et comment te dire que je ne m'en souviens plus? Impossible de me souvenir. Le matin c'est fermé, oui, ça ouvre à partir de 13h. Ok. Tiens, Ciboulot. Là, l'homme de ma vie. Pas trop, non. Tiens, j'ai terminé. Est-ce que je peux voir la pétition? Bien sûr. Tu crois que je t'ai menti? Je ne te mentirai jamais, enfin. Ça alors, tu m'as obtenu toutes les signatures. Il faudrait que je paye l'Institut des rêves aussi. Mais le problème, c'est que ça coûte cher, quoi. Je pense ouvrir ma salle au sous-sol et avant que j'oublie. Merci beaucoup. Pas de rien, hein. Mais ça ne change pas que j'ai toujours pas mes 40 000 clochettes pour Tom Nook. Attendez, venez, on essaye d'arnaquer un dernier habitant. Comme ça, après, on peut aller sur l'île et on peut devenir riche. Ok, c'est parti. Ça, c'est à moi. Voilà. Hop. Et on va là-dedans. L'institut, c'est pas urgent pour l'instant. Ouais, pour l'instant, c'est plutôt le prêt de chez Nook qui est urgent, en vrai. Pour aller sur l'île. Sinon, le reste, bon. Allez! Entrez, petite victime!
Venez dans mon antre. Venez dans mon magasin. Ouah, 5000. Non. 9999. Parce que les affaires sont les affaires ici. Voilà. La prédiction des navets est terminée. Je vais regarder le taux de navet. Mais il y a personne. Oui, oui. Oh, Elvis Presley. Lui, ça se voit, il a de l'argent, lui. Allez. J'ai un prêt à payer. J'ai une île à aller découvrir. Allez. S'il te plaît, Elvis. Bon, attends, on va regarder le taux des navets. Eh ben heureusement qu'on n'avait pas de navets, hein, moi je vous le dis. Hein. 43 clochettes. C'est bon. Il va où là? Mais t'avais pas vu quelque chose? Ah mais attends, mais tu l'as vu en Alaska ou quoi ton objet là? Tu vas où? Et un aussi grand tour alors que tu pouvais passer au milieu? Ouah, mais non, mais Jamie, ça va pas. Puisque j'ai ta bénédiction, je l'achète. Putain, mais... Allez, merci. Dubnuk, j'ai l'argent. Hop là. Bisous. Merci, Jamie. C'est bon, les amis, j'ai les thunes. Les thunes, les thunes, on a les thunes. À moi la richesse. Tom Nook, ouvre-moi l'île. Donne-moi l'île. Apporte-moi richesse, argent et prospérité. Hop. Ici. Il va falloir se mettre à 19h, mes chers compatriotes. Vous savez pourquoi? Parce que la fortune nous attend. Ok? Oh, Lionel! Oh, j'avais oublié sa sale gueule. J'aimerais te présenter quelqu'un. Non, pas lui. Coucou Texa. Voici Lionel! Il viendra régulièrement ici apporter ses conseils. Hein. Et toi, ravi de te rencontrer. Moi, comme nous disait, je suis Lionel de l'Académie des Joyeux Décorateurs. Je suis le président local. Hop, qu'est-ce que tu dis ça? Tu es le maire de cette ville? Oh, quelle veine, hein. Tu as une maison à Flumera? Bravo, tu es une sick fille. Voici les faits, pas de blabla, juste les faits. L'Académie des Joyeux Décorateurs. Hein. Avant, juste une pièce, pas de souci. Maintenant, des pièces? Oh, toutes les pièces, hop, hop, hop. On fait tout ça tout le tintouin. Mais ils sont heureux, heureux, correct, correct. On est des experts, hein. Un grand pas en avant pour nous, le monde sans. On sens le monde, on est prêt. Tom Nook, Nook. Nook Immobilier a créé ce sans juste pour Lionel, hop. Pourquoi moi, soit l'occasion? Bah, des affaires, là. Tout de suite, juste pour les membres. Tu veux parler, Flossy? Non. J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Vous avez compris quelque chose ou pas? Non, parce que moi, j'ai rien compris. Hein. Agrandir ma maison. Ah, j'ai pas remboursé le prêt. Ah, pardon, j'y vais. Hop. Et par contre, il m'a dit un truc, Lionel, j'ai rien compris. Hein. J'ai beau ressasser les scénarios, là. Non. Avec la manière dont tu disais, je comprenais pas un mot. J'ai rien compris. Le truc de Serena, j'ai pas les thunes. Il va falloir attendre avant qu'on ait l'argent. C'est pas pour tout... Oh! Comment ça, le taux actuel est de 3000 clochettes? Ça veut dire que je peux avoir un taux plus haut? Attends, parce que moi, je me fais pas avoir. Hein. Attends. Les amis, ça veut dire que je peux avoir un taux plus haut que 3000 clochettes ou pas? Non, ça change pas.
Bah, il a dit un taux, hein. Un taux, c'est avec une variable, hein. Sinon, c'est pas un taux. Ça reste toujours le même. Merci, 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 merci. Merci pour vos applaudissements. Merci, merci les fans. Merci la France. Merci tout le monde. Tiens, prends ton argent. Juste ciel, quel plaisir de te voir. Merci d'avoir remboursé le prêt de ta maison. Bien sûr. Tiens. On a grandi. Ouais, je suis sur DS. Tiens, agrandis ma maison. Hop. Merci beaucoup Bérangère pour le follow. ...98 000. Ah ouais, mais c'est pas donné ton affaire là. Mais moi j'ai pas l'argent. Va falloir arnaquer 10 fois plus les habitants. Bah ouais, un peu hein. Et c'est chaud là hein. Beaucoup hein. Je sais pas combien d'heures de jeu j'ai sur ACNL, mais en fait vu que j'ai déjà ma première console, je l'ai plus, donc je pourrais jamais savoir réellement combien j'ai d'heures de jeu. Et c'est la première, enfin c'est ma première console sur laquelle j'ai le plus d'heures de jeu, bien sûr, sinon ce serait pas drôle hein. Et en fait pareil, j'en ai vendu une autre. Enfin, j'ai vendu un de mes capture boards à l'époque en 2021, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai deux consoles que j'ai plus en ma possession. C'est à partir de quelle heure les scarabées? C'est quelle heure? C'est 19h? 18h? C'est 18h? Vas-y. Voilà. Voulez-vous commencer? Bien sûr. Bon allez, Raboul Tortimer. Nous, on va sur l'île aujourd'hui. Oh, mais j'y pense, madame le maire. Notre ancien maire nous a fait la choix de nous rendre visite. Oui! Monsieur Tortimer! Bonjour, jeune... Bonjour, jeune fille. Je m'appelle Tortimer. C'est donc toi le nouveau maire dont tout le monde parle? Fluffy, c'est bien ça? En tant qu'ancien maire, je suis curieux de savoir ce que devient ma bonne vieille ville. Du coup, je suis passé jeter un œil et je suis particulièrement content de te voir, Fluffy. Oh, quel hasard! Depuis que je suis à la retraite, je me la coule douce sur un île tropicale bien plus loin d'ici. C'est une île paradisiaque où seul l'été est autorisé. Le froid, la pluie, le vent, ça n'existe pas. Ça fait envie, hein? Allez, à vous, t'es jalouse? Tu devrais faire une petite pause à l'occasion et venir me rendre visite là-bas. Retrouve-moi sur la plage près du ponton et je t'indiquerai comment y aller. Merci, Tortue. L'élite mamie Fluffy, hein, elle arrivera un jour où on peut rêver. Oh, quelle ambiance. Allez, c'est parti, on va sur l'île. Je veux faire les jeux et tout. Les filles dans 22 ans. Non. Oh, on m'aime. J'ai des amis. C'est qui? On m'offre un cadeau de maman. Il paraît que t'as agrandi ta maison. Voici de quoi meubler. Super. Je suis trop heureuse. Merci. Une petite lampe. Waouh. Qu'est-ce que je suis contente. C'est incroyable. C'est vrai que bon. La fameuse maman qui a été chercher du lait et qu'on n'a jamais vue. Le pire, c'est le daron, je crois. Le daron, on l'a vu que dans Animal Crossing GameCube. Enfin, on l'a vu. On a entendu parler de lui que dans Animal Crossing GameCube. Et depuis, on n'en a plus jamais entendu parler. Waouh, tout ça pour ça. Tiens, mets mon lit. Je
Bah, je suis toujours pas décoratrice d'intérieur, hein. Plus les opus passent et c'est exactement pareil, hein. Coucou Laura, comment ça va? Mets tes outils dans tes lettres, non, ça te fera toujours plus d'espace dans tes poches. Ouais, mais après, comment je fais pour... Oh, comment je fais pour les sélectionner rapidement? S'ils sont dans mes poches, tu vois. Hop. C'est ça le souci. On met les deux plantes la l'une à côté de l'autre. Putain, j'ai toujours pas ma rose violette. Ah mais quelle cruche d'avoir pété la première quoi, sérieux. Il faut choisir moins de place mais plus pratique. Je ne recherche pas la praticité. Je recherche autre chose. Hop. Hé hey, Cachou. C'est bon les poissons. Ok alors elle est complètement... Elle est complètement à l'ouest. Hein. Coucou tout le monde, c'est Fluffy. Ah. Il y a Thomas qui se souvient d'un magnifique message vocal. Hein, qui fait d'ailleurs partie des zones d'alerte. Hein. Coucou tout le monde, c'est Fluffy. Je sais même plus comment j'avais... Comment j'ai fait pour dire ça comme ça? Merci beaucoup pour le follow étoile, bienvenue. Et coucou Anaïs. C'est là que tu te dis que la voix peut encore muer, même des années après. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le coucou tout le monde, c'est Fluffy, je ne peux plus le dire. C'est Fluffy. Non mais oui, je ne peux plus le dire. Coucou tout le monde, c'est Fluffy. Comment j'ai dit ça? Bon bref. Hop! On va sur la plage, d'abord. On va d'abord faire notre tour chez les boutiques. Hop. Tu joues plus à CNH? Si. Mon dernier live, il date de la semaine dernière. Hop. Bonjour. Hein. Qu'avez-vous à vendre aujourd'hui en cette demeure? La timidité. Peut-être la timidité, ouais. Je sais pas. T'as pas bien arrosé la rose, la lisse rose? Ah, tant pis. Une table pour chaque... Non, Fluffy, non. Moi, je suis désolée, cette table, elle me fait penser à une seule chose, c'est une table pour charcuter des gens. Voilà. Je suis désolée. Ah. On va juste acheter la Ifi enfant parce que c'est celle qui me parle le plus. Ce n'est pas une table pour faire de la mécanique ou je ne sais quoi, c'est une table pour charcuter des gens. Elle a vraiment la tête pour et... Non. Je suis pas d'accord. Donne-moi une hache, s'il te plaît, toi, maintenant. Pour que, voilà, exactement, pour que Rose finisse en saucisson. Je suis totalement d'accord avec toi. Putain, mais t'as jamais de hache, toi! Tu sers à rien! Tiens, prends mon argent. Je joue sur 3DS, Inès. Je suis fâchée. Toi, offre-moi autre chose qu'un petit caleçon vert, s'il te plaît. Parce que là, j'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit, Astrid, moi, le jour. Hein. Qu'est-ce que t'as? Oh là là. Moi, je veux remettre ma robe salopette, hein. Ça va pas, hein. Alors, j'ai le choix entre la tenue de bouffon, la vieille, le vieux torchon de ma grand-mère, hein. Oh là 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 là. Mais non. Par la cousette. Ah oui, j'ai encore oublié. Ok, vas-y, cousette. Allez, hop, ça c'est fait. On s'en va. On a plein de choses à faire. Beaucoup trop de choses à faire. La cata. Ce n'est pas magnifique du tout, hein, ça, ma chérie. Comment ça, ce n'est pas magnifique? Bien sûr que si. Le rire diabolique. Mon rire n'est pas diabolique, je ne vous permets pas.
Il est juste différent de ce que vous pouvez connaître. Voilà, c'est tout. C'est différent. Attends. Eliam ? Peut-être que certains bonhommes de neige sont sourds. Non, attends, c'est pas bonhomme de neige qu'il a. Quoi ? Hein ? Bonhomme de neige ? Il y a une faute d'orthographe ? Alors, je suis pas prof de français, mais... Je suis pas prof de français, mais là, il y a un problème, non ? Je suis même très loin d'être prof de français, mais bonhomme, ça s'écrit pas comme ça, hein. Bon. Tortimer ? Oh ! Il m'a répondu ! Oh ! Ah mais oui, c'est vrai ! Au pluriel, ça s'écrit comme ça. Mais non. Coucou Dorian ! Ça s'écrit des bons hommes de neige. Alors là, si un jour j'aurais cru qu'on m'aurait dit que le mot bonshomme de neige existait... Comment ça, la remise des prix? Mais non, mais j'ai pas participé! Mais... C'est la remise des prix. Coucou Chimo. Mais non. Cachou. Avec un chinchard. Putain, v'là comment je les aurais défoncés. L'autre, elle va nous avoir pêché quoi là? Eh, Justin Brinou qui nous a pêché un poisson. T'inquiète. Chinchard géant d'une longueur de 43,4. Mais attends, mais c'est la même longueur que celui de Cachou? Pourquoi elle est en première position et l'autre elle est en deuxième? Il y a préférence de la prod là, hein. La prod a truqué les résultats. Cachou avait... Non, c'est 43,3? Je sais plus. Attends, c'était 43,3 pour Cachou ou c'était 43,4? Eh, tu préfères les cochons en fait? Bah super, voilà, moi j'ai même pas participé. Le mois prochain, bah super. C'était 42 je pense. Et pourtant il me semblait avoir vu 43 pour Cachou aussi. Bon, j'ai loupé quoi du coup? J'ai loupé quoi? Comme prix. C'était 42 pour Cachou? Ah, je m'en souviens plus. Ok. La pub, si vous avez une pub, c'est normal, les amis. Dreamy vient de la lancer. Elle arrive, elle lance sa pub comme ça. Bonjour, comment vas-tu? Oh, là, attendez, il y a un... Là. Fossile. Argent. Des trophées. Ah, j'ai loupé un trophée. Bon, ça va alors. Non pas que ça m'intéresse pas, mais bon. Hop là. J'ai un don pour les repérer, les émeraudes. Hein. Je connais mes pierres déjà par cœur, alors que... Ça fait pas longtemps que je joue, quoi. Là, je hume l'argent. Pas du tout. Juste avant d'aller sur l'île, les trophées se vendent, Fluff. Oh, ça se vend combien? Combien ça se vend le trophée? Non, parce que si ça se vend cher, voilà, on peut négocier, hein. Oh, projet public? Il faut qu'on parle, Fluffy. J'ai horreur d'annoncer les mauvaises nouvelles, ça va te faire un choc. J'ai décidé de partir à la conquête. Ouais! Allez, dégage! Ce n'est qu'un au revoir. J'espérais secrètement que tu verserais une petite larme. Ah. Pardon.
Oh là là, que je suis triste. Bon allez dégage, c'est bon, tu m'as saoulé là. Si tu me supplies pas de respect, c'est même... Si tu me supplies pas de rester, c'est même pas drôle. Je reste, hein. Attends, quoi? Attends, quoi? Attends, qu'est-ce que tu me... Non. 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 C'est décidé, je la déteste. Je la déteste. Mais quelle connasse. Elle t'a saucissonné. Putain. Putain, mais j'étais si heureux. Putain, mais elle m'a remis son vieux pot de fleurs, l'autre grognasse, là. Ça fait deux fois que je l'achète, hein. C'est un truc de ouf! Hop! Mets ça ici! Putain, le jambon qui reste là! Ok. J'ai l'impression qu'ils achètent pas quand t'es pas dans le magasin. Mais le faux espoir, quoi. Et je compte sur vous pour clipper, hein. Il y a eu deux moments, là, depuis le début du stream, là, et ils m'ont totalement, mais... Ils m'ont roulé dans la farine, quoi. Ils m'ont roulé dans la farine. Ah, moi, j'étais heureuse et tout, ouais. Oh, fossile, hein. Si, ils achètent, mais plus rarement. Ah, parce qu'il n'y a jamais personne, enfin... Elle m'a jamais fait de virement sur mon compte, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai vraiment l'impression que ça n'arrive pas. Oh, fossile. Putain, mais l'autre grognasse, là, j'en reviens pas, quoi. Si des fois, dans le magasin, il y a un barbecue cuit là. C'est même pas être cuit, là, dont elle a besoin, là. T'inquiète pas pour les clés. Y'a Koopa, notre cher meilleur ami là qui... Il est en train de clipper là, il a la main sur le clip, tu sais, il est comme ça depuis le début du stream. Alors Fluffy, paraît que t'as remporté aucun trop. Tu vois, c'est pour ça que j'aime ce jeu. Putain, mais en plus il se fout de ma gueule, quoi. Tu vois, c'est pour ça que j'aime ce jeu. Dans ACNH, ils sont vides, c'est des coquilles vides. Là, tu vois, je sais pas, ils se foutent de ta gueule, hein. Mais ils se foutent tous de ma gueule, en plus, hein. Je vous aime pas, de toute façon. Vous allez tous crever. Je vais augmenter les impôts à 80%, là. Vous allez voir ce que ça vous fait, vous, l'inflation. Non, mais oh. Ouais, dans GameCube, c'est encore pire. Non, mais... Ne fais pas de bile, l'important c'est qu'on se soit bien marré, pas vrai? La phrase de perdant, ça. Non mais de toute façon, c'est important, c'est de participer, hein. C'est la phrase des perdants, ça. T'as jamais aucun vainqueur qui te dira ça. J'ai vidé mes poches? Ah bah super, pas du tout. Attends. Hop. Hop. On pose. Voilà. Ben voilà, c'est parfait là. Allez Tortimer, on y va. C'est parti. Oui, qu'est-ce que je disais? Oh, ça y est, j'allais te parler de cette fameuse île tropicale. Cette île tropicale où je vis est un coin de paradis toujours ensoleillé. On y croise des gens venus du monde entier. Là-bas, tu peux oublier l'hiver. Tout ce dont tu as besoin, c'est un t-shirt et des lunettes de soleil. Cette île regorge de merveilles et de trésors qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Tu peux te prélasser sur la plage, t'amuser comme une folle en participant à des excursions. Le paradis sur terre, je te le dis. J'en ai parlé au capitaine du bateau et à partir de demain, il te fera escale dans cette ville. Les passagers désirant se rendre sur l'île devront embarquer à ce pont. Comment ça, demain? J'ai vidé mes affaires pour rien. Voilà. Voilà, super. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Oh, et voilà. Pff. Moi, j'en ai marre, hein. Ça suffit au bout d'un moment. Hein. Oh. Allez, on s'en va. On se casse. Ça me travaille. Ouais, t'inquiète pas. Mais juste avant, je vais déposer mes affaires. C'est pas faute de te l'avoir dit et répété, madame. J'ai pas vu. Toi, t'as de l'argent ou pas? Oh merde. Oh, de toute façon, j'en aurais pas gagné plus, hein. On va pas se leurrer. J'aurais fail, hein. C'est quoi comme version? C'est ACNL. Le jeu que tu peux retrouver sur Nintendo 3DS. Hein. Pas besoin de vider tes poches. Comment ça, pas besoin de vider mes... Si, je vide mes poches. J'aime pas partir les poches pleines. Ça me stresse. Je veux vider mes poches. Hop. J'y tiens, je vais donc vider mes poches. Hop. Oh. Oh, putain, franchement... L'autre avec son gros niasse là, elle me termine. Ok, alors j'ai pas de papier... Si, j'ai du papier peint. Ensuite, j'ai des objets. Attends, là j'ai un arbre. J'ai un pantalon. Un t-shirt. De lunettes, hein. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. T'auras déjà les poches vides là-bas. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il les vide automatiquement. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut vider l'inventaire. Il faut vider l'inventaire. J'ai quelques-unes de mes anciennes cartouches ACNL, Salomé. J'ai pas tout. J'en ai certaines que j'ai perdues, comme Oani, par exemple, mon île tropicale. J'en ai certaines qui ont disparu. Certaines qui ne marchent plus. Certaines qui, je sais pas où est-ce qu'elles sont. Je les ai peut-être vendues, j'en ai aucune idée en fait. Mais il me reste les principales. Il me reste Chimera notamment. Il me reste Wooly. Il me reste... C'était quoi mon creux de Nyrik pour Wooly? Je sais plus, mais il m'en reste pas mal, hein. On est d'accord que maintenant on n'a plus accès à l'île en ligne où il y avait tous les gens. Si, c'est à partir d'avril que ça coupe. Ouais, il me reste Fluffy, mon île bonbon. Je sais plus ce qu'il me reste d'autre. Et je crois que je les ai, c'est marqué derrière les cartouches. Je sais pas où elles sont. Oh là là, il y en a un bordel ici. J'ai retrouvé un stylet. Attendez. Oh là là, mais il y a plein de choses là-dedans. Ah non, c'est pas un stylet, c'est la couture de mon truc. Dommage. Ok, j'ai Animal Crossing Wild World déjà. Pour le goal. Hein. Il me reste... Bon appétit, Charlize. Il me reste Wooly. Il me reste Poudlard. Il me reste Healing Way. Il me reste Najina. Il me reste Chimera. Il me reste Mijina. Ah, Najina et Mijina. Ok, d'accord.
C'est vrai. Il me reste Shamna. Et il me reste Ori. Il m'en reste 3. 5. 6, 7, 8. Il m'en reste 8. Moments later. Ça va, il m'en reste 8. C'est pas mal quand même. 8 sur 1000. Non, 8 sur 13. Il y en a 5 qui ont disparu. Hop. Il y a quoi en avril? La fermeture des serveurs online du jeu. Oh là là, mais ça devient bordel ici, hein. Oh, oui! We are the champion, my friends. Di, 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 di. Hop là. Ça, ça dégage, là, déjà. Coucou, Berry. Et les gens me prenaient pour une folle d'avoir 2 cartouches. Ah bah, ils m'ont pas connu, hein. Ils seraient déçus. Ah, la détruis pas cette fois. Ouais, je sais. Y a rien d'autre? Oh, ça devient le bazar ici. Un délire. Oh là là. Je peux avoir vos avis sur Will World. Will World, c'est l'opus le moins complet, le plus vide. Mais il mérite d'être vécu, hein. Nous, tu vois, on va faire un live dessus une fois. Oh, merde. Histoire de s'amuser. Et je pense qu'on va s'éclater, hein. Il mérite d'être vécu, quand même, Will World, hein. On peut plus te faire glouglou, c'est qu'il a déjà été lancé il y a pas longtemps. Et en effet, j'ai un souvenir d'avoir picolé il y a pas si longtemps que ça. Hop là, de l'argent. Bon, c'est parti, on va sur l'île. En même temps, il y a tellement de trucs à faire que regardez. Je me balade comme ça partout. J'ai pas été faire mes magasins encore. Hein. Je me sens overbookée. Tu as visité tes villes en CO. Je sais pas c'est quel CO de Wooly qui est. Mais j'ai pas le salon des rêves. Il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent. Elle est fausse. Ah. Elle est fausse. Voilà. Hop. Encore un fossile. Quand j'aurai débloqué le salon des rêves, ouais, on retournera voir un petit peu. On retournera voir un petit peu les CO qu'on a en ligne, quoi. Et on ira chez vous aussi. Enfin, pour ceux qui ont toujours des 3DS. Parce que t'en as plein qui ont vendu leur 3DS. Quelle erreur, quel sacrilège, hein. Ta paire de lunettes, arrête, je suis trop belle. Sur Twitch, je peux commenter sans mon numéro. Je crois qu'il te faut une... Je crois qu'il faut juste que tu sois ancien de 10 minutes, Berry. Un truc comme ça. Mais je vais enlever la sécurité que j'avais mis. En fait, Berry, on avait mis ça parce qu'on avait eu des petits soucis. Mais je vais pouvoir l'enlever là prochainement. Je ferai ça après le live. Ok, les superposés, on achète. Merci Berry pour le follow. C'est quand la fermeture? Genre le combien d'avril? Bah je sais pas, attends. Je sais pas si on peut trouver l'info sur internet de quand est-ce qu'il y a la fermeture des serveurs exacte. Genre quel jour, tu vois? Est-ce qu'il y a marqué en avril? Mais en avril, ça veut tout... Oui, une hache! Ça, pour les parternes, je sais pas du tout, Lily. Allez, une hache, hein. De quoi passer une bonne journée, ça, encore. Ils n'ont pas dit ouais. Ils ont juste mis avril, mais ils n'ont pas marqué le jour exact. Donc, je sais pas. Après, bon. Je sais pas, hein. Je sais pas du tout, hein. Non, les QR codes, ça fonctionnera toujours. Tu en es sûr? Est-ce que, Lolo, tu mettrais ta main à couper? Si tu n'en mets pas ta main à couper,
Bah, c'est que tu n'es pas sûre. Et que voilà. Oh, un chapeau de paille. Un canotier, pardon, excuse-nous. Excuse-nous, Becherel. Canotier. Merci. Ok, c'est parti, on va sur l'île. Ah non, on va expertiser les fossiles et on va sur l'île. Par contre, tu pourras plus récupérer les motifs d'autres villes grâce à Morsicus. Oh non, Morsicus! Non mais Morsicus, ça fait 2 opus, il se fait... Je vois plein de monde dire que Will World est vide, mais est-il plus que assez NH? Ouais, quand même. En fait, Will... Oh. Ah, très bonne question. En fait, Will World... D'un côté, oui et non, parce qu'en fait, t'as beaucoup plus de dialogue. En fait, c'est simple. Dans les opus Animal Crossing, plus tu avançais dans la trame, plus tu avançais au fur et à mesure des opus, et moins les habitants avaient des dialogues. C'est simple. GameCube, c'était l'opus dans lequel ils avaient le plus de dialogues, le plus de trucs à dire pépites. Hein. Will World, c'était vraiment pas mal. Let's Go to City, vraiment bien. ACNL, déjà, c'était réduit, mais c'était encore pas mal. ACNH, c'est des coquilles vides. Voilà. Mais par contre, dans ACNH, t'as tout ce qui est les options de déco. Que tu n'as pas dans les anciens opus, tu vois. Après, Will World, t'avais quand même pas mal de fêtes, comme le marché opus, etc., etc. Je pense que c'est 2 gameplays différents, en vrai. Hein. Ouais, sur GameCube, ils allaient jusqu'à t'insulter. Hein. Moi, j'ai un souvenir d'un habitant qui me dit « Hop, à toi, je veux pas voir ta sale gueule !» À quel moment dans ACNH, les habitants vont te dire « Pas toi, je veux pas voir ta sale gueule !» Ça n'arrivera jamais. Ils étaient vraiment, mais archi... Ils étaient hard. Ils étaient en mode « Allez, let's go !» Will World, je pense que je vais le faire lors d'un nostalgie. Vu que c'est un premier opus, enfin vu que c'est un jeu qui est assez ancien. Je vais le caler cette semaine. Je me faisais tellement tacler par mes habitants sur Let's Go to the City. Mais sur Let's Go to the City aussi, ils taclaient, hein. Mais vraiment, l'opus où ils te taclent le plus, c'est GameCube. Et puis après, au fur et à mesure des opus, ça s'est réduit. Mais le plus vite, c'est ACNH en termes de dialogue. Il n'y a pas à dire, hein. ACNH en termes de dialogue, c'est vraiment le plus pauvre. C'est le plus pauvre. Mallory, elle m'a perturbée, hein. Mallory, je m'en souviens, vous savez que... Quand je jouais à Animal Crossing Wild World, je voulais plus allumer ma console, je voulais plus jouer au jeu. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais Mallory sur mon île, et à chaque fois qu'elle me parlait, elle m'insultait. Du coup, mes parents, ils arrêtaient pas de la frapper pour qu'elle s'en aille, parce que sinon, je voulais plus jouer. Rezeti qui t'insultait de cassos. T'allais voir Rezeti, il disait « Ah, toi, t'es un cassos, hein? Allez, répète après moi. Je suis un cassos, hein? » Toi t'étais là en mode Franchement, eh, quand on fera Animal Crossing Wild World, on fera exprès de faire apparaître Rezeti, et on le fera apparaître jusqu'à ce qu'il nous fasse répéter les phrases, ok? Jusqu'à ce qu'il nous fasse répéter les phrases là dont je vous parle, jusqu'à ce qu'il nous fasse dire tu es un cassos. Oui, je suis un cassos, tu vois. Juste pour vous montrer de quoi je parle. Il faut que vous voyez ça. C'est une expérience à vivre au sein d'Animal Crossing. J'aurais des conseils pour bien commencer sur ACNL. Même moi, je suis en galère. Même moi, je suis en galère. Attention, vous êtes prêts? Allez, comment ça mon clavier marche pas? Un petit peu. Oula. Je voulais envoyer des émotes.
Emma de pas vous envoyer mon TikTok de ce matin. Je vous ai envoyé mon TikTok de ce matin. Bon bah super, on n'a pas pu écouter la musique. N'importe quoi la dame quoi. Bon super, on est arrivé. Allez, c'est parti. J'ai commencé Will World quand j'ai commencé ACNH, j'ai été perturbée parce qu'il parle pas. Dans ACNH, il parle pas? Surtout que tu nous l'as envoyé en boucle, mais oui. Un maillot de bain. Je veux ce maillot de bain. Eh, non mais t'es pas bien de faire venir la de faire peur à une vieille dame délicate, ça va pas ou quoi dans ta tête? Mais calme-toi, Oh, c'est mon fainéant de fils qui t'a amené ici, hein? Juste pour m'embêter, je suis sûre, hein? Bon bah, comme t'es là, t'as qu'à m'acheter un petit souvenir, hein? Mais attends, mais le maillot... Ouh! 40 médailles, le maillot. Comment ça, 40 médailles, le maillot, là? J'ai pas l'argent. Coucou Flavie! Oh, à moi? Hop là. C'est à moi. Ça c'est à moi aussi. Hop. Ça c'est à moi aussi. À moi. À moi. À moi. Hop. À moi. C'est parfait. La voleuse de coco. Je vois absolument pas de quoi vous parlez. Là. Il y a quoi comme fruit là? Oh, à moi. Là. Ensuite, on réunit. Parfait. Ça aussi, à moi. Je prends toujours autant de plaisir, même après y avoir autant joué. J'en prends même plus encore aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps que j'y ai pas touché, là. À l'époque, je faisais que de la déco dans ACNL. Je faisais très peu de gameplay. Donc du coup, je le redécouvre, en fait, limite. Ok, on pose tout ça. Ah, mais il y a l'inscription aussi pour le online. Attends, c'est combien? Ah, il me faut une photo sur ma CR. Mais il y en avait une, non? Ah non, il n'y en avait pas. Ah bah super. Ok, tout ça c'est à moi. Attends, il me faut un maillot de bain déjà. Par contre, c'est un âge plus opti dans le sens où ça stocke directement dans les... Ouais, bah, il faut quand même des points positifs. Hein. Coucou Zazou, comment ça va? Une excursion, une excursion, une excursion, une excursion. Allez, on y va. Oh là là, c'est quoi ça? Moi, je veux faire le jeu du marteau. Ouais, jeu du marteau. Allez, c'est parti. C'est 70... Quoi? 70 plus 40, il me faut 110 médailles. Eh, mais ça fait beaucoup quand même, là. Hein. Ça fait beaucoup. Il faut se calmer au bout d'un moment. Allez, c'est parti. Vas-y, je suis concentrée. Je suis concentrée, je suis à fond là. C'est 50, donc 50 plus 40, ça fait 90. Toujours la technique dans le sang, nous! Allez, défonce sous la tranche! Ça marche pas! Thank you.
on peut pas le coincer dans un trou là. Non mais il faut le prendre en saucisse. Putain mais je suis nul. Coucou horreur. Comment vas-tu? Non mais c'est quand qu'il se retourne hein? Mais c'est un truc de ouf! Et c'était plus facile avant! Mais ta grande tante là! Ah! La musique à peine stressante quoi. Ah mais vas-y. T'es comme le la face là. Ah mais ça fait mal aux doigts cette affaire hein. Arrêtez, ça fait super mal. J'ai pas signé pour ça moi. Beau travail. 85 coups. 6 médailles. Il m'en faut 90. Putain mais 6 médailles, il m'en faut 90. Je me suis détruit le pouce. Putain mais t'es radin. Vas-y, encore. Non, mais c'est nul. Tire au ballon, vas-y. C'est bien ça, tire au ballon ou pas? Ouais, c'est mes oreilles. Elle se voit pas trop parce que, en général, ma cam, elle dépasse un peu. Faudrait que je voie pour la recentrer autrement, la cam, en fait. J'aimerais bien la mettre un peu de côté, genre là. Faudrait... En vrai, faut que je teste. Faut que je fasse des tests. C'est le meilleur tir au ballon avec le labyrinthe. Dans le sens où je gagne beaucoup de médailles. Putain, j'ai un 0-2 qui m'appelle depuis ce matin. Là, appel intrant, indérisable suspecté. Là, non. Je veux pas, j'ai dit. Je veux pas vous parler. Ok. Vas-y, c'est parti. À vos marques. Hein. Prêt? Oui. C'est parti! C'est pas un jeu pour moi, ça. Ah, oh, je comprends pas! Exprès, mais non, je le fais pas exprès. Merci pour ton follow. Attends, je peux pas lire ton pseudo. Ah, mais c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris qu'il fallait être sous l'ombre. Je savais pas. J'avais oublié. Aïe.
Merde. Oh là là! Ah, mais c'est l'ombre du papillon! C'était l'ombre du papillon! J'en ai marre! Mais putain, je suis trop nulle! Ils sont où les ballons? Amenez les ballons! C'est long par contre, non? Oh là là! Oh là là! Quelle galère! Oh, le ballon lapin! Il n'y a pas beaucoup des lapins, des ballons. Allez! Ok. Ah, encore l'ombre du papillon là? Houston. Ouais bah tant pis hein. Allez va crever. Hop. C'est le niveau facile ça. Ah oui c'est vrai. Attends ballon lapin. Comment on a les ballons lapin déjà dans ce jeu les amis? Je veux. Oh là là. Au village témoin. Street Pass. Avec les mesdames d'Hélium. Attends, je sais plus comment on a les ballons lapins dans ce jeu. Ils y sont plus les ballons lapins dans un CNH. Ils les ont enlevés. Super. Hein. Dans la CNH, ils ont enlevé des trucs. Je sais pas pourquoi ils les ont enlevés. Merci beaucoup pour le follow, Ali. Oh là là, oh là là, oh là. Attends, mais avant, il y en avait pas assez des ballons. Maintenant, il y en a trop. Putain, mais des. Mais tartate. Oh. Oh. Putain, le ballon lapin. Allez. 59. Dommage, on n'a pas pété les 60. Bah oui, je me suis bien amusée, mais t'es radin en médaille. Il est radin, les amis. Merci la pizza del mama pour ton follow. Eh, je partirai pas sans mon maillot de bain. Hein. Je vous le dis direct. Hein. T'as 5 minutes. Oh, 10 minutes, la chasse aux fossiles. Non, 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 non. Non, 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 non.
10 minutes la chasse aux fossiles, moi crois-moi que tu vas te la carrer là où je pense, hein. Allez, bisous. Allez, on va s'asseoir. Mais tais-toi un peu! Oh, elle parle beaucoup, elle, hein. Bon app à ceux qui vont manger. Ludo, merci pour le thé de 32e mois. J'ai eu du mal. Merci beaucoup, Ludo. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à dialoguer. Mais c'est pas grave, vous n'avez rien vu. Ok, chasse au coléop. Oh, il y a des mangues! Il y a des mangues. Oh ah, putain, dommage, c'est pas des bananes. Comment ça, c'est pas ça qu'il faut faire? Oh. Attends, mais là, du coup, je suis en train d'attraper des scarabées qui valent une fortune, alors que cette fortune ne me revient pas. Mais c'est quoi ce mini-jeu de l'arnaque? Mais je suis en train de tous les louper en plus. Moi j'aime pas ce mini-jeu les gars. C'est pas un mini-jeu qui est fait pour moi. Ramasser de l'argent pour que ça enregistre. Il a fallu que j'attrape le seul truc qui n'était pas chassé. Ça c'est bon, non? Ok, ça c'est bon. Mais marche lentement, t'es folle! Mais c'est lent là, on s'ennuie! Et voilà, voilà, 10 000 balles qui viennent se foutre en fumée devant moi là. Il faut en attraper combien ça? Oh là là. Eh mais c'est dur ça. J'aime pas ce mini-jeu. Ok. Mais comment ça c'est pas ce que je cherche, hein? Oh là là. Oh la honte! On va pas recommencer ce mini-jeu, moi je vous le dis les gars. Hein. Le mini-jeu il est pas fait pour moi. Hein. Ah c'était 3! Même lui, il s'est dit « Ah non, c'est pas pour elle !» Regardez-moi ce gros scarabée qui coûte méga des thunes et qui n'est pas pour moi. Voilà. Un scarabée Atlas. Le jeu a redescendu le niveau pour toi ? En même temps, il faut dire que bon, je suis un peu nulle là. Ça y est, c'est bon, je m'en sors mieux, j'ai trouvé le filon. Hop. Regarde le scarabée doré là, qui n'est pas pour nous. Regarde ça. Regarde les 12 000 clochettes là. Aïe. Putain, mais... Mais c'est de la merde ce jeu!
Ok. Mais vas-y, et l'autre qui va mettre sa musique flippante là. Voilà, voilà. Alors qu'il y en a pendant ce temps-là qui galèrent, hein. Allez, un petit 11e, hein. Eh, donne-moi au moins 50 médailles. Non, mais c'était pas facile. C'était pas facile. J'ai eu le triple de ce que tu m'as demandé, quasiment. 6 médailles. Et en vrai, avec ça, il y a moyen d'avoir full médaille si t'es fort, hein. Moi, je suis nulle. Mais mais il y a moyen d'avoir full médaille avec ça. Elle sert à quoi, elle? On peut lui vendre des trucs? Elle te rachète des trucs, mais beaucoup moins cher. Ah. Parce que je me disais, sinon, pourquoi on s'est fait chier toute notre enfance à ramener les scarabées chez nous pour les vendre chez nous, tu vois? Mais bon. Du coup, vous avez répondu à ma question, finalement. Attendez, la DS est rouge. Elle ne tient pas la batterie. C'est vraiment... de la merdasse, hein. Ok, vas-y. On fait le truc des fossiles ou pas qui dure 10 minutes? C'est bien ou c'est pas bien? Je sais plus ce que c'est, le truc des fossiles. C'est bien. Ça rapporte beaucoup de médailles ou pas? Non, parce que moi, mon objectif dans la vie, c'est d'être riche. Ok. Nous ne cherchons pas n'importe quel fossile. Ah ouais, non. Oh non. Ah ouais, non, j'ai plus envie. Oh, des citrons! Parfois, donnez les citrons! Hop là! Hop. Oh là là, je sens que ça va être... Je sens que ça va me faire chier, cette histoire de fossiles, là. On va voir la maison témoin, d'abord. Bah non, je ramasse tout et après, je vais à la maison témoin, non? Je sais pas. Un mammouth. Il me faut le maillot de bain en priorité. Attends, le mammouth. Et quoi d'autre? Vous retenez mammouth et... Ah. Mammouth, quoi, finalement.
Ok, j'ai eu le crâne de mammouth. J'ai eu le crâne de Manny. Carole, merci beaucoup pour ton prime. Merci pour le soutien. Comment vas-tu, Carole? Ah, mais il n'y a aucun fossile, là. Oh là là. Archéoptérix. Allez. Prochaine, c'est quoi? C'est Gdeterobélix ou bien? Ça. Oh, corps de mammouth! J'ai! Courez! Oh, je vais avoir fini hyper vite, il va me donner masse médaille. Timer, il va m'aimer. Ah, oui, c'est New Leaf. Ça va. Tu mets le corps de mammouth ici. Et tu mets le... Oh là là. Coucou chaque grenouille. Et voilà. Ah, oh putain, il faut retourner le voir. Tu savais qu'on pouvait jouer à Animal Crossing GameCube sur Wii? Ah non, je savais pas. J'ai jamais essayé en même temps, tu me diras. Ah bah voilà. Allez. 10 médailles. Minimum. C'était nul, ça. 7 médailles! Et... pas mal! 7 médailles, les gars! Ça fait combien, là? J'ai combien de médailles en tout? Il m'en manque 15. Je crois que le max que j'ai eu, c'est 8. Bon, vas-y, on refait quoi? Le... ouais, mais vas-y, j'ai mal au poignet, quoi. Allez, je me sacrifie. Pas... aïe, aïe, aïe. Sinon, t'achètes le papier du club pour aller en multi. Merci. Et tu fais des escus avec des gens pour ton maillot, car ça rapporte beaucoup plus de médailles. Ah, tu penses que ce qui serait plus intéressant... ce qui serait plus intéressant, c'est de... choper... le papier, le multi, il est coupé au mois d'avril pour faire des trucs avec des gens, mais du coup là ça veut dire qu'il me faut 50 médailles. Oh là là. Il veut pas rester bloqué dans un trou, lui. Je crois que j'ai pas vu de date pour le online en avril.
La seule chose que je sais, c'est que j'ai jusqu'au mois d'avril pour faire le 100% du jeu. Voilà. Avec le online. Mais du coup, je fais le 100% du jeu global. Ça va être juste, hein? Ça va être très juste. Bon, pas les projets publics, d'accord? Parce que les projets publics, c'est pas possible. Mais le 100% global. Non, mais même pour les médailles, ça va être chaud, hein? Oh là là! Il faudrait que je réussisse à lui mettre 100 coups dans la gueule. Allez! T'avais pris combien de temps pour faire les projets publics de Chimera? 6 ans. Oh là là. Les projets publics de Chimera, c'est les seuls que j'ai tous obtenus sans hack. Je les ai tous obtenus. Secondes. Putain, je l'ai moins tapé que tout à l'heure, hein. Ah, peut-être pas finalement. Allez, go! Comment on les obtenait déjà? De quoi? Les projets publics, c'est quand les habitants te font oh! Et ils viennent te voir. En gros, c'était ça. J'ai Nexus qui m'a donné de l'omelette à manger. Mais j'ai pas le couvert. Coups. Bon, ça m'a quand même donné 6 médailles. Donc ça va, c'est pas mal. Ok. Il est gentil, il te nourrit. Ouais, il est gentil, il m'a donné à manger. Donc ça fait que là, j'en ai 31. On achète quoi, du coup? Renono. On achète quoi, du coup? On achète le maillot? Ou on achète le truc pour aller en online? Achète le truc online. Comme ça, je gagnerai plus de médailles. Oula. Comme ça, tu pourras faire des excursions 3 étoiles. C'est vrai. Salut, qu'est-ce que ça date? Tu m'étonnes. Donc là, on est à 31. Un truc... Non, je sais plus. On est à combien là? Les gars, je sais pas combien on est. Et en online, tu pourras taxer un manuel. Non, mais je vais me le faire. Je vais me le récupérer. Pas très pratique de manger comme ça. Bon. Ok, c'est parti. À vos marques près. Attendez, ça veut dire que là, j'en ai 37 ou 31? Je sais plus.
Venez les petits ballons. T'as 31 médailles. Ah bah super, on va aller loin, hein. Non mais regarde, tu mets les ballons au-dessus de l'eau aussi. Je sais pas ce qu'il lui a fait à l'omelette, Nexus, mais elle était très bonne. Bah. Ah, il est là. Tu sais que moi-même, Letty, quand je vais avoir besoin de... Quand je vais avoir besoin de trucs spécifiques, je vais devoir aller voir ma vidéo, ma propre vidéo sur les contrefaçons et tout. Parce que je m'en souviens pas. Allez, des ballons! Le ballon lapin. Oh là là. Non mais il y a toujours un ballon là qui part dans les tréfonds du truc. 498 000 là ton prêt. Ah comment j'aurais même pas remboursé. Que dalle. Que nenni. Nada. Que chi. My money is my money. Et t'avais vraiment des gens qui perdaient à ce mini-jeu là à l'époque, hein. Il est impossible à perdre, hein. Il est tout nul. Dit-elle en loupant trois fois le ballon. Non mais... Ça c'est une erreur de parcours. Il faut des erreurs pour se relever plus fort dans la vie. C'est juste que je m'y prends comme un manche à balai. Alors, la prochaine fois je me tairai, c'est bon, vas-y, je dis quelque chose, après le karma il dit ah ouais, ah ouais, c'est facile, allez, tiens, dans ta gueule. Après je pense que ce truc là en 3 étoiles, je pense qu'il doit pas être si facile que ça. Comment allez-vous? Il y a des pièges partout en 3 étoiles. Comment ça, il y a des pièges dans le sol? Oh la flemme là. Hop là, hop les, hop les, hop là. C'est qui la professionnelle du ballon? C'est qui? Voilà. Merci beaucoup Wendy pour le follow. Allez, donne mes médailles.
Je crois que j'avais fait 59 tout à l'heure. Bon, ça change pas grand chose, mais bon, quand même. Alors, tu t'es bien amusé? Mais là, j'aimerais bien changer un peu, mais bon, il faut encore que j'en fasse deux pour avoir le truc du online, là. Combien de médailles, là? 37! Il m'en faut encore deux! Même pas, parce que 6 et 6, 12! Ça fait 39, ça fait 49! Sur 50! Putain. Je veux faire un truc simple, le jeu du marteau. Change de journée pour changer de mini-jeu si tu veux. Bah ouais, mais c'est pas sûr que demain j'ai mon truc de online et mon maillot, tu vois, Ilaya. Et dans la vie, bah voilà. Et moi j'ai décidé que je voulais mon truc de maillot et t'as compris. Parce que imagine après je me reconnecte et j'ai pas mon truc de maillot ni mon truc de online. Eh, je me sens con quoi. Le online il est toujours là. Ah ouais, mais il y a mon maillot. Allez! Tapez-le! Il y en a d'autres des mini-jeux que ceux-là? Ah bah oui, il y a le cache-cache. Oh, le cache-cache! Oh! Je veux jouer à cache-cache. Merci beaucoup, Galen Link, pour le follow. C'est long. Merci beaucoup, Misty. Bienvenue. Le jardinage. Ah ouais, le jardinage où tu dois remplir le truc de fleurs. Oh là là. Les souvenirs. Merci beaucoup pour tous vos follow, bienvenue. La oh, le labyrinthe avec les fruits. Oh, qu'est-ce que ça a pu me chauffer le cerveau, ça. Avec la récup sportive, on peut récupérer jusqu'à 13 médailles. C'est quoi la récup sportive? Ça me parle pas. Ah, mais regarde-le! Comment tu galères avec la machine? Arrête! Lolo! On a... C'est difficile, ok? Pas facile. C'est pas ma faute. La récup sportive, c'est il te donnait 3 objets que tu... récup, genre... La pêche au thon, tu gagnes 20 à 30 médailles. Pardon. Et vous les sortez d'où tous ces mini-jeux-là? Moi, j'ai pas fait ça. Ça va faire des soirées mini-jeux sur l'île Tortimer avant le... avant le... avant le mois d'avril. Moi, je vous le dis. Hop là. Eh, moi, il y a plein de mini-jeux que j'ai pas fait, hein. Ah, mais ta grande tante là! C'est un mini-jeu 3 étoiles la pêche au thon. Il va y avoir des soirées spéciales mini-jeux. Une fois toutes les 2 semaines. On commence la semaine pro. Ok, c'est bon. Eh, donne-moi 7. Je sais pas, peu importe. C'est bon, là, je l'ai bien tapé. J'ai fait plus que 84. J'ai fait plus que 84. J'ai fait plus que 84. J'ai fait 85. J'ai fait... C'est plus. C'est plus. Ah, il me faut une excursion avec 2-7. Je vais faire le truc des coléoptères. Ah
Il me semble que les trucs des coléoptères, ça rapporte beaucoup. Il y a moyen d'avoir un set avec ça. Hop. Allez, c'est parti. Non, je crois que le set médaille, je l'ai eu avec... Oh putain, j'ai plus. Bref, je l'ai eu avec quelque chose. Comment ça va faire des soirées mini-jeux? La semaine pro, il y a une soirée mini-jeux sur ACNL. Débloquez tous le truc de online, je vous préviens direct. C'est une cigale, y a pas. C'est que les scarabées en même. T'as eu ton colis de fondant? Oh, trop bien! Moi, ça y est, j'en ai plus là. Faut encore que j'en recommande. Mais il est où l'insecte là? Bon, écoute. Tu m'as saoulé. Ah, j'ai dit soirée mini-jeu? Du coup, si je dis que c'est mercredi, bah, c'est pas une soirée en fait, c'est une après-midi. C'est pareil, non? T'es ban du online? Comment t'as fait? Pareil, mais comment ça vous êtes ban du online? DS est simplement hacké. Ah, moi aussi, je suis pas ban du online. Faites-moi quelque chose. Oh, regardez là. Mais vous savez que unban une 3DS, ça prend 10 secondes, hein? Ralenti! Voilà. Tu m'as dit ralenti, j'en ai loupé un, c'est à cause de toi. Non, c'est une vieille cigale, j'en veux pas. Vous connaissez le conte de la cigale et la fourmi? Il était une fois... Pardon. Ouais, tu peux unban une 3DS. Et que ce soit déjà fait. Un conte, c'est une fable. C'est pareil! Et voilà, et voilà. Tout ça, c'est de votre faute. J'espère que vous êtes fiers de vous. Qui connaît pas cette fable? De la cigale et la fourmi? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent pas. Hein. Ah, voilà. En vrai de vrai, je mets ma main à couper qu'il y en a pas mal qui connaissent pas la cigale et la fourmi. Je m'en suis mieux sortie que tout à l'heure. Je réclame des applaudissements. Tu l'apprends en primaire, non? Pas forcément, je crois. Ils sont où les clap-clap? Ils sont où les applaudissements?
Merde. Au moment où vous applaudissez, je loupe mon truc. Merci, je suis bon pour tes beats. Ce retour de karma, mais oui, j'en ai marre. Putain, il me faut une photo sur ma CR en plus. J'ai pas de photo. À l'aide, je veux rentrer. Attendez, je rentre et je reviens. Je rentre et je reviens. Non, tu arrêtes de chanter. On arrête de chanter, j'ai dit. On ne chante pas. Voilà. Mon Dieu. Ok, c'est parti. Attendez, je vais juste faire une photo sur sur ma carte d'identité. Oh. Cool. Les trous, ils s'en vont seuls dans ce jeu, non? Oh là là, Jamy. Il me faut une photo. C'est la musique de 19h, oui. Prendre une photo. Putain, mais ça coûte des thunes en plus. Merci Romy pour le follow. Ça coûte des sous en plus de se prendre en photo. Si ça, c'est pas insolent. Oh, c'est pas grave. On est beau au naturel, nous. Ouais. On est beau au naturel. C'est... ouais. Photo avec la moustache. Très belle la photo. C'est bon, j'ai une photo sur ma carte de résident. J'ai découvert que si tu appuies sur R en faisant la photo, ça te la met en noir et blanc. C'est vrai que j'ai jamais fait de photo en noir et blanc, je crois. Ah. J'ai entendu Lana dire « Je vais montrer à maman !» L'enfant va apparaître d'ici quelques instants. Nous montrer ce qu'elle a à montrer. Ah non, le daron lui a fermé la porte au nez en mode non, tu n'iras pas montrer à maman. Regardez comment je vais sur mon île seule au monde. Vous trouvez pas ça triste? Je trouve que la chanson n'est pas très adéquate. Moi je trouve que franchement, la chanson qui irait bien avec ça, c'est ça. Alors non, c'est pas ça, c'est une pub. Je peux pas quitter la chanson. Franchement, là, c'était... bon, allez. Avance. On y va. Bah, en même temps, oui, je vais sur l'île, je suis seule au monde, quoi. Ok.
Bon, du coup, ça résout pas notre problème que j'ai 49 médailles et qu'il m'en faut 50, quoi. C'est drôle, hein. Ça vous amuse, hein. Allez. Va là-bas, là. Allez, vas-y, une petite dernière excursion. On fait la plus courte. On fait le jeu du marteau facile. Ça les amuse, ça, entre 49 médailles sur 50, hein. Je file manger, bonne app. Nous, on a les courses à aller chercher après, là. Par contre, il y a beaucoup de jeux au planning la semaine pro, hein. Ça va être chaud, hein. Ah, d'ailleurs, je voulais vous demander... Est-ce que déjà vendredi prochain on fait Another Code, hein? Il est hors de question qu'on ne fasse pas Another Code. C'est un jeu d'énigmes et tout. Je vais faire un TikTok dessus, vous allez voir. Le jeu est incroyable. Si vous n'êtes pas là, vous allez tout louper. Je sais pas si vous connaissez Another Code. Donc déjà il y a Another Code qui va être fait. En gros, c'est une jeune fille qui a perdu ses parents et qui essaye de les retrouver. Et c'est une histoire à énigmes et tout, avec des personnages. Enfin bref, vous allez voir, c'est assez kiffant. Ensuite, est-ce que vous connaissez le jeu Cult of the Lamb? Apparemment, ils ont une mise à jour, hein, de contenu mardi. Et pareil, je voulais tester parce que j'ai jamais joué à Cult of the Lamb. Et du coup, je voulais tester. Apparemment, il y a une extension Twitch qui fait qu'avec vos points de chaîne et vos bits, vous pouvez participer à l'aventure. Genre me mettre des bâtons dans les roues, ou au contraire me faire des offrandes et tout. Donc c'est un truc interactif avec le chat. Vous pouvez aussi, avec des points de chaîne, payer le fait d'être dans le jeu aussi, je crois. Et je voulais tester Cult of the Lamb. C'est en français, Cult of the Lamb, là? Coucou Julian. Ah, le choix des gens, c'est aléatoire. Ok, d'accord. Donc soit ils mettent des bâtons dans les roues, soit... Ok. On peut avoir notre propre adepte dans ton jeu. Donc vous connaissez globalement. Donc du coup, je voulais faire Cult of the Lamb aussi. Mais il y a Another Code. Plus ACNL, plus ACNH, plus Might and Magic Sandrock. Va pas y avoir assez de jours encore, hein. Ça va être compliqué, là, hein. Moi, je vous le dis, hein. Plus Disney Dreamlight. C'est terrible, la vie, hein. J'avais quasiment fini le pass de DDV. Je crois qu'il est fini, non? Salut les chaussettes de TK. Dis donc. La vie est dure, bah ouais, hein. Plus les nostalgies. Oh là là. En gros, si tu veux, les adeptes sont tirés aléatoirement, mais il faut que les gens soient sur PC et qu'ils aient accepté l'extension. Ensuite, on a des choix qui s'afficheront, donc soit pour t'aider, soit pour te saboter. Et on peut payer en points de chaîne pour augmenter l'espèce de totem, hein. Eh, hey, c'est pas mal en vrai. Genre, oh, 86! J'ai fait 84, 85, 86! En vrai, ça peut être sympa, hein. Cult of the Lamb. Tu sais, quand t'essayes de faire un peu participer et tout, tu vois. Le chat. Donne-moi mon adhésion! Merde! Donne-moi mon adhésion! Hop. Voilà. Aïe! Maintenant, t'es officiellement membre. Ok.
Bah, moi, je veux prendre le bateau avec des gens. Attends. Vire-moi. Je veux rentrer. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a de... en excursion sur les autres trucs. Hein. Je devais faire quoi aujourd'hui? De l'argent. J'ai tout fait sauf de l'argent. J'ai pas d'argent. J'ai pas... j'ai débloqué l'île pour me faire de l'argent. Et finalement, j'ai pas d'argent. Non, mais d'accord. C'est pas grave après tout. Hein. C'est pas grave. Hop. Allez, on y retourne. Par contre, lui, il m'en demande de l'argent à chaque fois. Hein. Eh, je veux qu'on aille voir des gens. T'as pas d'argent, mais t'as des nouveaux fruits, c'est vrai. Je veux voir les autres. Ok. Bon, tu sais quoi? Allez! Des matelots de mon pays. Avance, va plus vite. T'étais censé faire du scarabée. Après, d'un côté, est-ce qu'il y a un live dans ma vie où ce que je suis censé faire est fait lors d'un stream, tu vois? C'est... moi, je sais pas, tu vois. Bon, attendez, je reviens, il m'amène sur l'île. Attendez, parce qu'il est quelle heure? Ah, oh, ça va. Parce que j'ai des courses à faire, moi. J'ai des courses à faire. Vu que je suis au Japon pendant un an, je peux utiliser la Wi-Fi, donc aller sur l'île multi, je vis donc, hein, pour voir les autres le faire. Oh non, coucou April Moon, comment ça va? Bah super, ça commence bien l'île multi, hein. Waouh, trop bien! J'adore! J'ai déboursé de l'argent pour ne voir personne! Trop kiffant! Ah bah ça nous avait pas manqué, exactement! Moi je te le dis! Allez, d'autres personnes! Oublier sa DH, c'est son père. Le regret est immédiat. Mais t'inquiète, la semaine pro, tu l'auras mercredi, Roman. Hein. Attendez, est-ce que là, si j'essaye de me faire un planning dans ma tête? On prend un calepin. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi, vendredi. Samedi, dimanche. Mardi, on n'est pas là. Voilà. Ok, du coup, mercredi. Mercredi, j'ai un long créneau, donc je peux faire deux jeux. Jeudi, soir. Lundi, soir. Vendredi, midi. Samedi matin, dimanche matin. J'ai 1, 2, 3. Ah non, vendredi c'est soir aussi. Attends, mais moi je peux pas faire 3 soirs, c'est pas possible. Bah, jeudi,
J'abandonne. Ça m'a déjà saoulée. Attends. Attends, bonjour. Oh, y a pas mon maillot. Non mais ça y est, ça m'a déjà saoulée. Bonjour. Titouf, elle dort ? Oui, bien bail. J'essaie de faire mon planning de la semaine pro, mais... Abandon le plus rapide de l'univers. Non, mais t'es en télétravail quand ? Lundi, ça m'arrange pas. Mais mardi, j'ai tout annulé, hein. Je live pas le mardi, j'aime pas le mardi. J'aime pas le mardi. Bonjour. Oh, des bananes! Pas possible, le jeudi à la place. J'avais déjà pris de demander de prendre le 22. Attends. Mais le 22 février, t'as lu dans mon SMS ou pas? Ah, février. C'est le 22 que je vais à la bibliothèque avec Lana. Là, c'est another code, hein. Tu oublieras pas de ne pas me le rappeler le 21. Samedi matin, dimanche matin. Mais vas-y! C'est nul, hein. Regarde. Ou alors vendredi on fait Another Code le midi. C'est qui c'est qui a inventé les plannings? C'est nul. J'ai même pas pu ramasser mes bananes. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse bug, hein. Je pense que c'est le jeu qui est de la merde, en fait. Excusez-moi. Hé, hey, lundi, je peux streamer à 7h du mat. Je peux faire le petit déj. Ou pas. À 7h du mat. Ah, il m'a pas répondu. Il répond pas. Donc attends, mercredi. Déjà samedi matin. À CNL. On garde le même créneau pour pas perdre les gens. En train de me perdre moi-même. Coucou Laura. On avait dit on devait faire quoi comme jeu? Attends, on devait faire quoi comme jeu? Ça marche pas? Ah si. On avait dit on avait Disney, non? C'est compliqué, hein. Il me reste Disney, ACNH, Real World. Non mais j'ai déjà trop de jeux et pas assez de jours. Comment veux-tu que je fasse? Puis lui là, il est en PLS, hein. Ça va être compliqué, mes chers compatriotes, hein.
Moi, je vous le dis. Hein. Madame, le papier bulle pour la lettre que tu m'as livrée me sert vraiment de déstressant. Bon, vas-y, moi, j'abandonne. On ira sur l'île la semaine pro. Oh ! Trois fois que je paye de l'argent, trois fois on me dit non. Eh, hey, c'est bon. Ça marche pas, c'est nul. Oh, attendez mes fruits. C'est trop. L'île multi, elle ferme en avril. Vas-y, je réessaye une dernière fois. Après, c'est bon, ça m'a saoulé. Parce que là, c'est compliqué. Hein. À moins que pour... Il y a aussi Cult of the Lamb. Non, mais il n'y a pas assez. C'est pas possible. Qui a décrété que la semaine devait faire 7 jours et pas 9? Compliqué pour moi. J'ai 4 trous. J'ai 6 jeux. Je verrai ça demain. Oh, on arrive. Bah dis donc. Wow. Salut. Y a pas de maillot de bain. Est-ce qu'il y a des bananes? J'aime bien la fille, elle arrive sur l'île, tu sais, elle en a rien à faire des gens qui sont avec elle. La seule chose qu'elle veut, c'est juste voir s'il y a des bananes. Oui, des bananes. Oh non, j'aime pas trop ça. Ok. J'aime pas trop ça, moi, quand la dame elle secoue comme ça dans le vide. Tu dis même pas bonjour. Non. Eh, ça a sauvegardé, j'ai eu une banane. J'ai eu une banane. Ah, ils arrivent tous sur la même île. Ils arrivent tous. Laissez-moi tranquille ramasser mes bananes. En vrai, je pense que il y a plus personne qui joue à CNL, genre il y a que nous en fait. Donc on va se retrouver en famille. Oh là là. Melinda, t'es... Non mais faut pas commencer comme ça, vous m'agressez. Je ne me laisserai pas avoir par la tentation. Vous ne m'achèterez pas. Non. Vous ne m'aurez pas. Non. Non. Regardez ce qu'on me met sous les yeux que je n'ai pas le droit de prendre. Hein. C'est terrible. Moi, je veux bien. Après, les fleurs... Non, Fluffy, non. Non, non, non. Non, Fluffy, tu ne prends rien. Tu prends des bananes. Tu prends des bananes. Mais...
Je me sens harcelée. Mais c'est une... c'est une hache en or. Waouh, toi t'as un style. Waouh. Trouve pas, on se ressemble. Ne craque pas, Fluffy. Ouais, c'est dur. Je craque un peu sous la pression, là. Non, mais... J'ai dit non! Oh, attendez, de l'argent. Résiste, madame. Je résiste, là. Ça se voit pas comme ça, mais... La tentation est dure. Ah. Je veux quelque chose. Moi, j'aurais pris direct. Ouais, non. On essaye de m'acheter. Vous avez vu ça? Moi, j'aurais pris sans hésiter. C'est moi! Pourquoi t'es sur le toit? Mais j'ai rien fait! C'est eux! Merci beaucoup, Vanilo, pour le follow. Ils sont où les... Mais non! Je crois qu'il y a Melinda, elle est pas avec nous, elle est pas dans le délire, du coup elle comprend pas ce qui se passe. On m'a jeté à l'eau. J'arrive pas à attraper mon papillon. Melinda, c'est moi. Ah merde! Je me disais, bon, Melinda, elle comprend pas tout, tu sais, elle est pas dans le délire. Et il y a eu tentative de noyade là, par contre, hein. Mais attendez, mais il y a plein de... Il y a plein d'insectes qui valent cher sur cette île là. Il n'y a pas les aglias qui valent cher? T'avais qu'à prendre l'argent. Pourquoi il y a plein de roses dorées, de fleurs bleues? C'est pas moi, c'est eux. Moi j'ai rien fait, j'ai pas pris. J'ai même pas craqué. Non, ça je crois que ça vaut rien du tout. J'ai même pas craqué pour tout vous dire. Pour l'instant, non, j'ai pas craqué, je ne craquerai pas. Je ne craquerai pas sous l'envahisseur. J'ai dit pas d'argent, pas d'argent. D'accord? Pour le moment, pas de maillot de bain non plus. Rien du tout. Rien, les amis. On ne craque pas sous la pression. Je vais juste poser mes bananes, là. Hop. Mes papillons. Et je rentre à mon domicile avant de craquer. On fera une journée, multi. Mais là, vous ne me ferez pas craquer sous l'envahisseur. Vous ne me ferez pas craquer, j'ai dit sous l'envahisseur. Vous ne m'aurez pas ainsi. Je m'en vais! Ils sont tous en train de me balancer leur truc là! Non, mais j'ai des courses à faire. Faut vraiment que j'aille aux courses. Je suis déçue, madame. J'ai rien pris. Comment tu peux dire que tu es déçue de moi alors que je n'ai rien pris? Comment tu peux dire ça? C'est pas possible. J'ai rien pris. Donc, tu ne peux pas être déçu de moi.
Bon, les amis, ouais, j'ai un peu abusé. Il est déjà 14h et tout. Je dois vraiment y aller. On a des courses à faire, hein. Donc, écoutez, c'est parti, finalement. Justement, tu n'as rien pris alors que tu avais ma stune. Du coup, je te déçois. Non, justement, tu devrais être fière de moi. Tu devrais être fière. Tu devrais te dire, waouh, Fluffy a changé, tu vois. Genre, elle a rien pris, finalement, tu vois. Bon, allez. Je vous fais des gros bisous, tout le monde. Mais là, j'ai un peu abusé. Je devais quitter vers 13h, 13h30, mais... J'ai vraiment des courses à faire, hein. Je vous fais des gros bisous, tout le monde, hein. Et de toute façon, moi, je vous dis à demain matin. Alors, demain matin, c'est soit CNH, soit la cuisine. Je sais pas encore. N'hésitez pas à aller sur Discord pour voter. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire. Je vais voir de mon côté. Et puis voilà, quoi. Je vous fais des gros bisous, tout le monde. Passez une bonne après-midi. Et je vous dis à demain. Merci encore pour ce live qui était trop, trop cool. Des bisous. Et si j'arrive à faire le planning un jour, bah, je vous le transmettrai aussi. Bisous, bisous. J'ai ma souris qui marche plus. Du coup, j'arrive pas à quitter le stream. Attends. Attends, bisous tout le monde.